Bon lundi 11 mars, bonne première de la semaine, bienvenue dans la Gonzalez, j'espère que vous avez passé un beau week-end, les gars. Comment a été votre week-end? Gonzo, euh, De retour d'Adminton, je vais voir mon gars, je vais en fin de semaine. Il a rempli euh, le filet. L'équipe rempli le filet, tu dis, d'aplomb. Ah oui? Il domine, c'est fou. Ils sont en finale Je m'en vais encore euh, jeudi. Edmonton, c'est en finale. <laughs> pas ça. La finale la fin de semaine. La finale, mais euh, C'est la première fois que je dis ça, Gonzo, mais... Je pense que mon gars va jouer une nationale. Je pense vraiment. J'ai jamais dit ça avant, là. Euh, puis je dis rien, hein. Je, je l'encourage, je dis pas un mot. Quand je suis dans scène, je dis ah, jamais rien. Ben, dis-le pas, continue. Non, mais je vais dire, je la regarde aller, il là. Il domine au bot, là. C'est épouvantable. Ah, ouais? Il, il score à chaque game, puis... Tu sais, 6 pieds 4, 200 livres. Il ramasse tout le monde. Quand je joue que, déjà? 14. Qu'est-ce il va, il va avoir 15 ans le 30 mars. Le 30 mars, il va avoir 15. <laughs> il est petit, mais, hein? Il gèle tout le monde. Des bonnes mains? ouais. Il est bonne main, de bonne vitesse, puis 3 euh, contre 3, il va se carrer, coast to coast, il fait ce qu'il veut sur la glace. Pour vrai, c'est une amélioration qui est incroyable. À un moment donné, je me demandais. Tu sais, Mais c'est l'âge, là, y là, là, si vois avoir... vraiment une progression oh, incroyable. À un moment donné, Ben, je me demandais s'il si y avait. Parce qu'une chose que tu ne peux pas apprendre à un jeune, c'est avoir du chien. Ouais. Puis si tu veux réussir, là, euh, puis tu veux monter dans les niveaux, là, que ce soit universitaire ou junior, pour la ligne nationale, il faut que tu ailles du chien. Mais oui. Puis ça, ça ne s'apprend pas. Ton gars, il là où il l'a ouais. pas. Puis. Tu peux être talentueux comme tu veux, là, puis tu peux faire 100 points tu es dans les joueurs du Québec ou n'importe où. Si t'as pas de chien dans toi, là, mmh. tu vas pas te rendre nulle part. Tu vas Puis là, même. il est rendu un ange que naturellement, il a. Puis c'est incroyable. C est, c est, je regarde aller, puis c'est fou. Je, je suis comme, il score, puis je sais que tous les parents, tout le monde me regarde, puis j'essaie de pas avoir une réaction. Mais c'est tellement rendu tellement facile que je réagis même plus. J'ai une question pour toi. <laughs> quand tu le vois scorer, quand tu le vois jouer... Ça te donne-tu le goût de retourner ça à la glace? Non. Non? Non. Ok. Non, pas avec ben, Gonzo, Non, mais parce que. Je sais, mais... Fait ça, non, mais j'ai fait ça tellement je longtemps. Je comprends, mais t'as pas pris ta retraite encore. Non. Non, mais comme <laughs> ça, l'affaire, c'est que j'ai fait ça toute ma vie, sais, à tous les jours. Non, je sais, mais il y a beaucoup. Moi, il y a des, des, des gens qui ont fait ça toute leur vie. qui Des fois, moi j'ai des amis qui ont vu leurs enfants puis qui ont encore le goût, en raison ouais. de leur côté compétitif, qui, des fois, ils ont le goût de sauter sa glace. Ouais. C'est pour ça que je suis pas poser la question. La seule affaire qui m'écœure, c'est que lui, il est obstiné à vouloir jouer. Dans la Ligue de l'Ouest, puis il reçoit des scholarships pour aller à l'université. Ben, tu à l'école, là. Ouais. Tu des bourses, il veut rien savoir. il faut jamais choisir. Il y a quoi Il va 15 ans. Ouais, mais Vic, c'est là, là. Je sais, mais. tu ben, as t'as encore une année quand même, <laughs> moi, mais c'est comme. Hey, on lui je, moi, offre des bourses, je... puis on en veut pas. Moi, je comprends pas. Mais reste avec que c'est chum. Ouais, sûr. Non, mais ces chums seront pas là. Ce ne sont pas juniors major ces chums. Là. Les mondes dans l'équipe qui est, il y en a peut-être un qui va monter junior, comme Mais quand tu parles de bourse à des jeunes, c est... C est... C est... ils ne comprennent pas son avenir avec ça. Il est... est fait. Puis l'argument qu'ils me donnent tout le temps, c'est T'as gagné la Coupe Mémoriale, j'aimerais ça à gagner, moi aussi. <laughs> tu me donnes toujours cet argument-là. <laughs> mais moi, j'ai dit mais Moi, je n'avais pas de bourse. <laughs> moi, je pas le choix. C'était géant Major ou rien. <laughs> Parce que j'avais pas. Ça de ouais, mais même, même là, à l'époque où toi tu jouais, il n'y avait pas, pas autant de joueurs qui venaient se faire ramasser aussi mais non, dans la Si tu on en parlait pas pantoute, là non plus. Non, non pas dans du Dans ce temps-là, on ne parlait pas, pas ben, pantoute non. de ça. C'est des bourses de 60 000 US par année. Tu sais, C'est ah, des, des sais. choses de fou. Non, mais les universités américaines, on entendu que ça crache du cash. La vie, elle est 7 si tu ne risques pas. Mais moi, je pense vraiment qu'il va gagner en ce moment. J'ai aucun doute. Quand je, comment je regarde, là, je compare avec tous les jeunes, puis ce qu'ils font en ce moment, il, il y a une coche de ce que je faisais dans ce temps-là. Temps J'ai quand même été repêché à 15 ans de, de ma table de A. Lui, il va l'être repêché aussi à 15 ans aussi. Mais... Euh, c'est okay. du 2A ou du 3? Le... Non, ouais. non, c'est comme une genre de Super League ou C'est ce ça, mais c'est comme... C'est un équivalent De... de... De Bantam 3, dans le fond? Oui, de ouais, la Ligue de Bantam 3, où ce que. est-ce que... Ah, je, je sais pas. Que je, je, je vais nommer des joueurs. Non, c mais raison, moi, le. Si je nomme le, des le joueurs, vous n'allez pas les connaître. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que. Ce n'est pas un programme qui s'apparente à celui du Québec. C'est hein. comme si. Ils jouent dans une Ligue, c'est comme si. T'sais, tu prends au Québec, tu prends de chaque région, tu prends les meilleurs joueurs, tu fais un cas entraînement, puis tu fais une équipe avec ça. Puis tu joues contre d'autres villes. Tu sais, contre Calgary, en équipe le met sur une équipe. Fait que c'est comme tu fais. Ouais, c'est comme si tu prenais vraiment tous les. Mettons la à toutes les. Fait que tu sais, c'est comme Edmonton. Les mages, ils font encore l'entraînement pour faire l'équipe, puis il y a juste une équipe Edmonton. Fait que c'est comme ça au Québec, là, le Bantam 3. Là, tu prenais t'sais, toutes t'sais, les t'sais, régions, puis t'en faisais une équipe en ça. une équipe. Okay. Fait là, fait tu juste... vas jouer, mettons, contre Québec ou tu vas jouer contre. Non, non eux autres vont jouer à Vancouver. Ils prennent l'avion, ils vont okay, à Vancouver. c'est provincial. Ouais, fait tu joues. À... Tu joues contre Calgary, tu dis. Fait que c'est dans le ouais. fond, es bon, Calgary, Vancouver aussi. Puis en... okay. eux autres, c'est à l'avion, là. C'est des grandes villes. Pense à ça, Ben. Ils prennent l'avion. Ils prennent l'avion. Puis, j'ai jamais vu ça. Ils prennent l'avion puis ils jouent contre d'autres villes. Mais... mais pense au niveau. Quand que tu prends. Fait qu'au Québec, tu sais, il y a le Ligue Batam 3, mais il y a beaucoup, beaucoup de... de games oh, ouais. au Québec. Beaucoup d'équipes. Fait une équipe seulement. Du Québec, puis va jouer Québec. contre l'Ontario. Euh... Imagine-toi le talent de cette équipe-là du Québec. C'est sûr. C'est dans ce qui. C'est parce que là-bas. Puis ne joue pas contre le Québec mais, parce que mais, le Québec n'a pas ce modèle-là. Mais, 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 mais la seule affaire, je, je déplore, par exemple, c'est dans l'Ouest canadien. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas jouer dans ah, la ligue. Ben. C'est ben. 30, 30 000 par année. Je, je comprends, mais même, bon, mais mais même, même ici. c'est ridicule. Non, mais, mais ça coûte pas ça. ça ne coûte pas ça. Mais ici, si tu n'as pas d'argent. Bonne chance pareil. C'est vrai, mais qui prend l'avion aussi? Ah oh non, mais au bout trois. Déjà, il l'avion pour aller jouer à Vancouver, qui, qui reste à un hôtel, tu fais des back-to-back, -back, puis après ça, tu t'en vas dans une autre. Tu sais, j'ai jamais vu ça, là. Moi, je, quand je jouais, quand je jouais, j'avais 15 ans, quand on, disait, on, prenait, on allait en métro, là. Tu sais, je veux dire. Ah oui, non, non, mais personne ne prend l'avion. On ne prend pas l'avion, hein. là. Ah ça, je te dis. Fait que, t'sais, ce qu'ils font là-bas, c'est fou, là. C'est un autre niveau. Moi, j'ai jamais vu ça. Final en fin de semaine. Final en fin Final de semaine. en Fait que je m'en vais jeudi. Ouais. Je fais le show vendredi là-bas. Puis quand le show. La game est à une heure, là. Qui est 3 heures l'heure fait que on, on finit à moins 10, puis je me dépêche, puis avec les 5 minutes de warm-up, j'arrive direct à temps que la game commence. <laughs> c'est bon. Temps. Ça. prévu, tu c'est 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 rodé, là, ça. cest un rodé. match Non, c'est un 2-3. Un 2-3, ok. Fait qu'il joue vendredi, samedi, dimanche, il devrait gagner en deux. Fait que la game de dimanche, <laughs> c'est correct, je repars. Mais il, il est mieux, les en pas, pas, Mais ça ne tente pas prendre le Red Eye, Ben. Ça, je trouve, quand je prends le Red Eye, là, le dimanche soir, pour arriver lundi, puis j'arrive directement à la station, je suis trop brûlé. C'est pas, pas pour rien que ça s'appelle le Red Eye, hein mais les gars, <laughs> gars prépa préparez-vous pour les séries. On est une gang là, qui vont. Ouais. Gonzo, tu vas tu Ben? Alex Panton vient. On à... ouais, est Edmonton? On est une gang. Là. Fait qu'on va préparer la, la, la console là-bas pour faire le show de là-bas. Mais on est une bonne gang là, qui vont venir euh, de Edmonton. D'ailleurs, euh, si vous les Oilers. Vous, euh... vous, vous devez absolument vivre ça. Si les Oilers jouent comme hier, ça va être le fun. Ouais mais malgré que c'est eux qui ont bien joué ou c'est euh, les pingouins qui ont juste été horribles. J'ai écouté la game là. Colin. Les pingouins Gonzo là c'est mon ancienne équipe puis même si je suis content quand les Oilers gagnent c'était triste ce spectacle là, c'était épouvantable de regarder les pingouins jouer de même. Crosby ne peut pas puis je comprends que je on l'a entendu le dire plusieurs fois qu'il voulait rester un pingouin toute sa vie, il va pas faire ça, il peut pas faire ça. Gonzo Carlson... God. Je regarde ce gars-là jouer, puis je comprends pas pourquoi on a, gagné, on a donné le noise à ce gars-là l'année passée. Parce qu'il a fait 100 points? Oui, C'est la seule raison? Il est tellement mauvais défensivement. Non, mais tu le regardes aller, puis il s'en fout, fout. Il était comme ça l'année passée aussi. Là. Puis, est non. Juste qu'il a fait 100 points. Oui, mais cette équipe-là, c'est triste. Tu regardes Sid qui essaye un peu, puis... À un moment donné, il a pas eu une punition d'accrochage parce qu'il est comme frustré. Ouais, il a même fait une... Euh, c'est quoi? Il a fait une euh, prise de la tête à Brett Kula. Ouais, non, mais, non, mais Gonzo, je te dis, c'est... Il faut absolument... Euh, Puis le temps, il y a une pause sur le but de McDavid. Tu devrais être content. Ouais. Mais, mais Gonzo, euh, Crosby doit absolument terminer sa carrière avec une autre équipe. Puis il n'y a personne qui va être né de de ça à Pittsburgh. Il peut pas rester là. C'est un gaspillage. Il connaît une de ses meilleures années en carrière ben, non, mais dans une si, équipe si, si qui... Faut est qu il faut qu'il arrive morte. là. faut qu'il tame. Puis qui demande à être transigé. Gonzo, je te dis, je te donne trois équipes. OK? Boston, Edmonton, puis euh, Colorado. Mets-le en ordre. C'est une de ces trois équipes-là qui s'en va. Aye, moi, moi je lui souhaite de partir, puis je le souhaite pour n'importe quel partisan de hockey. Je sais que les podcasts disent Non, non, il veut qu'il joue toute la carrière. Moi, c'est tout. C'est tout. Je pense qu'il va aller, Gonzo. Où? Boston. Ah, ah oui. non, on a plus que la fiche à ça. Non, oh, non, mais, Ben, c'est le meilleur. Je sais que pour le monde de Montréal, ça serait <laughs> le meilleur fit, c'est Boston. Pense à ça deux secondes. Ok, mais attends. Ils a pas de joueur de centre. Oui, mais est-ce qu'il veut gagner Puis il est à côté. Est-ce qu'il veut gagner le plus Il peut gagner. Ou est-ce qu'il veut le plus mais, de mais, responsabilité Mais, mais Genso, il, à Boston, il peut gagner. Là. Oui. Si Crosby, ça va à Boston. As tu plus de chance, si tu vas Colorado ou à Boston Ouais, mais Colorado, il ne pourra pas fitter sur le plafond. Puis ça Colorado. Colorado, Colorado dis, non, mais il est indépendant de Fortune. Oui, je, ouais, mais, mais quand même. Colorado, t'as-tu vu leur line-up? Ils sont loadés. Oui, oh, oui. Ils sont loadés. Puis t'es allé chercher middle Stad Maintenant, tu t'as plus besoin de Crosby. Tu comprends? Ah, tu, peux, tu peux avoir Crosby quand, quand même. Middle Stad tu l'as as à l'aile. C'est Mais non mais, non, mais je comprends. Mais tu comprends que tu regardes leur défensive, comment ils sont loadés. Il n'y a pas de place pour Sid. Sid. Non, non, oublie, reste... oublie Boston. Là. Oublie. Arrête, arrête ça, Boston. Mais, là. je te dis. D'autant que je voudrais pas, je regarde ça, c'est pas loin de ce qui reste pendant l'été à Harbor. ou ce qui reste, c'est dans l'Est. Dans l'Est, quand tu vieillis, c'est moins chum, dur sur le, le corps. Il va aller au il va aller au Colorado, sinon, il va aller au Canada. Je ne le vois pas, Gonzo, aller dans l'Ouest, par exemple. Je ne vois pas aller, non, aller jouer dans l'Ouest. parce les que, Canucks de Vancouver. C'est tu sais pourquoi? Quand tu vieillis, je te l'ai déjà dit, le voyagement, dans l'Ouest, tu voyages beaucoup plus. C'est dur ouais. sur le corps. L'Est, c'est une joke. Tu joues à 7h le soir ça route, à minuit, tu couches couché dans ton lit à la maison. <laughs> non, mais c'est vrai. Puis les sais. gars, quand ils prennent de l'âge, ils veulent jouer dans l'Est parce ben que c'est moins dur sur okay. le corps. L'année prochaine, ils stade. Le Canadien va dans No Man's Land. Et pour accéder à l'étape suivante, le Canadien, Crosby, il a tout rêvé de jouer pour le Canadien de Montréal. En 2025-26. Il s'avère Boston, il est le premier centre. Bye. Il joue avec Marchand. OK. Bon, on, lui donne, on lui donne le. Okay, Peut-être pas le C, là, mais il y a un A. S'il vient à Montréal, il est juste avec Coca-Cola. Hein? La seule affaire, c'est. Il aimerait-tu ça jouer avec Coca-Cola? C'est difficile de jouer avec Cola. C'est pas là, tout le il a monde qui est capable. J'ai dit qu'il ai qu aimerait ça jouer à Montréal, mais c'est juste que Montréal va pas être rendu encore assez attrayant pour lui de En 25-26? Mais non, mais là, wow! Gozo, là, lui, c'est là. là, là. Non, non, mais il reste une année de contrat. Là. Je pense pas qu'il va jouer à Pescogne. moi prochain. non plus, c'est ça l'affaire. Toi aussi, hein, tu penses pas, non? J'aurais pensé qu'il finisse son contrat, mais là, ça, ça a vraiment non, non, viré... ça, ça vire tellement tout croche que là, ça sert à rien. Il n'y a pas de motivation. Lui, c'est un gagnant. T'imagines-tu, c'est que Sidney Crosby devient disponible. Il n'y a pas juste trois équipes qui vont cogner à la porte. Là. Non, mais sauf que lui... Moi, moi je te, te dis, c'est entre ces trois équipes-là. Mais les, les... Oh là là! Mais l'équipe qui a le plus grand besoin, c'est Boston. Les Browns, en raison de la ligne de centre. Puis moi je te dis Gonzo, il reste dans l'est. Il s'en va pas dans l'ouest, ça lâche que OK. Ça ça va être le fun à suivre par exemple. Mais oui. Ouais. Ah, comment mm -hmm. avez-vous aimé votre match canadien Leafs, les gars, je dois vous dire. J'étais au Centre Bell en fin de semaine et le bol supérieur était infesté d'ontariens. Infesté. <laughs> C'était que du bleu. Savez-vous comment j'ai je regagnais mon siège oh, oui. pour la deuxième période Ah oh, oui. Et j'étais sur la galerie de presse. En marchant, ça score. Et la réaction m'a fait dire Le Canadien m'a dit carré. Je regarde ça à glace, c'était les livres qui venaient de se Mais, mais pour oh, ça, vrai, pas vrai, là. C'était juste ça. Là, je ça. me suis mis à regarder parce que quand tu es sur la galerie de presse, ouais. tu peux voir là, toute la zone de Mont-Sonex autour. J'ai regardé, c'était juste des Ontariens. Pourquoi Je comprends que le prix du billet est moins cher, là, mais on dirait que c'était le samedi soir des, des Ontariens. À Montréal. Mais, mais Gonzo, on en parlera au deuxième bloc plus en détail, mais bravo aux Canadiens. Parce que les Leafs, qui sont supposés être une équipe changée, transformée, les Canadiens ont donné tout une go. L'équipe des smith comme le Canadien, de challenger les Leafs de même, ça l'a tout pris pour qu'ils battent le CH. On parlera du premier trio, tiens, du, euh, des Leafs dans le deuxième bloc pour ceux qui l'ont vu en fin de semaine. Ouais. Beaucoup de gens vont vouloir parler de Jack I et de Reeves également. Euh, on en parlera. on va Il faut voir un petit mot quand même. Là. On n'a pas le choix. D'un, on va parler d'NFR dans les prochains instants. Oui, parce que là, c'est sa pullule de rumeurs, d'annonces de, de, avec le, le marché des joueurs autonomes et tout le reste. Un petit mot sur le Wild et les Preds, Georges. En fin de semaine, on a vu quelque chose qu'on voit très rarement un 4 contre 3 en enlevant le gardien de but en et prolongation. Et ça, pour vrai, pour les gens qui n'ont qui pas vu la séquence, allez voir ça. Mais hein. euh, Le règlement en prolongation, si tu enlèves ton gardien de but pour aller, pour aller marquer ou pour quelle que soit la raison, si tu perds, tu as zéro point. Puis le Wild, en ce moment, est dans une situation qui ils ont besoin des deux points. Et on n'a pas voulu faire confiance à Marc-André Fleury <laughs> en tir de barrage. On s'est dit tout de suite, en avantage, tu sais, je veux dire, en 3 contre 3. On a la, parce que souvent, vous voyez à 3 contre 3, quand une équipe a la rondelle, euh, l'équipe défensive est comme au basket, est comme en retrait en arrière, font du marquage pour essayer d'attendre un revirement pour partir. Quand ils ont enlevé le goaler à 4 contre 3, ben 4 contre 3, c'est encore plus dur de contrer parce que c'est un gars d'extra. De, si tu fais une erreur de passe, c'est dans ton net, par exemple. Mais hey, je, viens je viens d'apprendre ça, moi. Je savais pas ça. Ouais. Si t'enlèves ton gardien de but à 3 contre 3 et que tu tombes ouais. à 4 contre 3 et que, que tu perds, t'as pas ça ton point, pas de points. Point. Ils ont mis ce règlement-là, Ben, parce que je dit tantôt, ouais. parce que tout le monde ferait ça ce matin. Puis là, tu n'aurais rien à perdre. Ben, sûr. Que, tu prends, mais là, il se dit Ok, tu veux faire ça, t'auras pas de points. Mais là, je vous dis, Gonzo, je pense que des équipes qui vont être dans une situation oh. précaire, qui n'ont pas le choix, je pense que ça va ah, mais ça pourrait arriver. Les Preds ont fait le point pareil hier, là. C'est le Wild qui a risqué de perdre son point. Puis les Preds, mettons, hier sa là, sa Sauf que tu peux pas faire ça. On s'en parlait tantôt avec toi. Tu peux pas faire ça à 5 contre 5 pour faire 6 contre 5. Parce que 6 contre 5, il y a trop de marge à l'heure. Puis il y a trop de gosses à glace. Il y a trop de bons à glace. Puis des filets déserts à 6 contre 5, dans le ça arrive souvent. Mais à 4 contre 3, tu contrôles le jeu. Si t'as des marges boards à 4 contre 3. Il n'y a personne qui va te presser pour échanger chercher C'est juste que si tu fais le mauvais sport, tu fais un lancer, puis... Tu mais ils ont pris par surprise aussi, parce que, je suis désolé... Personne ne s'en attendait. Il y a plein de monde. Puis même, même moi, hier, quand j'ai entendu le règlement, je me disais, « Ah, oh, ouais, c'est okay. ça, le règlement? » Mais les joueurs ne le savent même pas. Il y a non, des non, joueurs qui ne même pas. C'est le règlement. OK, je ne sais pas s'il faut que ça... Ah, non, 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 non 84.2. Non. 84. <laughs> et je suis allé relire le, le règlement pour être sûr, et c'est bel et bien ça. Ça arrive juste jamais. Mais c'est ça, l'affaire. <laughs> T'sais? Ça arrive jamais. Parce que hier, si les Preds marquent, ben là, c'est deux points pour les Preds. Puis le Wild, pas que le Wild est éliminé, mais ça donne un méchant coup. C'est qu'on a voulu les prendre par surprise solide. Ça a marché. Les, les a gars, ne comprenaient pas qu ce qui se passait. Puis. Il a compris après vraiment comment ça fonctionnait. Puis... Hey, merci beaucoup à l'armée sur la message de texte. Il y a quelqu'un qui nous dit Salut les boys, je confirme, j'étais à la fouille de la sécurité. et J'ai peut-être parlé à un ou deux francophones en fin de semaine. C'était juste des, euh, des gilets de la famille. Il y en a des gens qui nous disent que c'était le spring break également, la semaine de relâche aussi à Toronto. Fait que de là, peut-être beaucoup de, de gens de l'Ontario qui étaient là en mmh, fin a, de semaine. Qu'est-ce que tu mangé Comment que j'ai mangé <laughs> À game euh, Ben, j'ai mangé des hot dogs. Il n'y a pas grand-chose à manger à part ça. Là. Il avait pas... De <laughs> toute façon, j'ai mangé ce qu'il avait présenté parce qu'on descendait aux entrailles. puis il y avait des hot dogs. Je mangeais des hot dogs. Hein. Ah oui. hein? Il n'y a pas, de... pas de dog vegan, par exemple, Georges, pour toi. <laughs> Mais hey, il y a une petite à euh, Je donne son nom complet. Là. <laughs> parce que c'est super important que je le mentionne. Stéphane, à ta minute. Loge... <laughs> Je là, toi. <laughs> là, comme mon petit. Ok. Um, continue, j'ai trouvé son nom. Ouais, tu okay, vas comprendre pourquoi. Okay. Uh, un petit mot également à vous dire. On va jaser de cette grosse victoire du CF Montréal également à 13h40 avec Pat Bernier. Uh, Merci, n'a pas joué, mais Mathieu Schwaner a fait signer son gilet quand même. Des belles images, ça, qu'on a vu passer. Ouais. Ok, j'ai trouvé son nom complet Stéphane Brochu. Ok, pour les gens qui savent. C'est un gars qui travaille, ça fait des années qu'il travaille dans la loge des anciens du Canada de Montréal. Ok, je suis allé dans la loge des anciens ouais. en fin de semaine. Euh, Stéphane Brochu est adoré, il s'occupe des anciens, des gens qui vont dans la loge depuis des années. Il se bat pour sa vie pour un, ah. un cancer, puis il m'envoie des updates à chaque semaine. Fait que j'aimerais qu'on y envoie toutes des ondes positives, puis tous les gens qui sont allés dans la loge des anciens l'ont tous vu. C'est lui qui sort les hot dogs, puis la boisson qui est derrière le bar. Oh ouais. Ça fait des années qu'il est là, tout le monde le connaît. Puis ça l'a frappé tout le monde par choc là, quand c'est arrivé. Là. Puis là, il y a comme une rechute dans son combat contre le cancer. Donc, Stéphane Brochion, Car... on t'envoie des ondes positives. Puis, Ganzo, c'était tu... si là, dans l'âge de l'ancien, tu l'as vu. Là. Je l'ai cette semaine. Je sais ben, quand là, je suis allé. Là, il n'est pas là, là mais, mais c'est un icône. Là. Tu sais, il est tout le temps tout le temps là. Il est super fin. Il s'occupe de tout le monde. Il... Car... il fait vraiment tout. Puis quand il sait que je viens, il achète de dog au tofu. Puis il fait ça sur la grille. C'est tel... tellement un bon gars. Puis je voulais juste le dire pour les gens qui sont déjà allés dans la loge, vous savez tous c'est qui, vous l'avez tous déjà vu. C'est lui qui s'occupe de la section hot dog dans le fond, il est dans le fond dans le coin, ouais. puis il est tout le temps, tout le temps là. Il se bat pour sa vie, pour le cancer. Ah, Alors, ouais. euh, on y voit toutes des ondes positives. Euh, tout le monde envoie en parce qu'il faut qu'il batte. Euh, il faut qu'il, qu non seulement qu'il gagne son combat, mais qu'il revienne. Il revienne euh, à la loge pour qu'on puisse le voir puis, et euh, puis être content qu'il qu se soit rétabli. C'est vrai que quand, ça, quand tu m'as dit ça, quand tu m'as parlé de j'ai dit, c'est vrai qu'il fallait que, fallait que je le mentionne. Euh, fait que merci de m'avoir euh, rappelé ça. Ou c'est toi tu m'as dit à Doc, j'ai dit c'est vrai. Puis là, je, donnais, je savais son nom Stéphane, mais il fallait que je donne son nom complet pour les gens Avec qui Avec les famessent. beaux fours, les beaux fours classiques. Hein? Non, mais non, c'est les. Forum. Non, c'est pas comme ça. C'est les. -tu les... qui tournent? Non, non, je l'ai vu en fin de semaine. Avec il y a ceux les... qui tournent. Oh, mais ouais, mais. c'est ceux qui oh, tournent. Ouais, mais il y a quand même la presse aussi. Là. Mais, la presse mais, est là. là. Mais, dans la... mais dans la loge, c'est tu sais, ceux qui tournent. Là, qui mais il va... y a la presse aussi, là, dans la loge. Je l'ai vu en fin de semaine. Ouais, mais, tu... mais ils... ils sont tous allogés dans la. <laughs> non, mais. La... T'es pas allé dans la salle des anciens. Oui, je suis allé dans le salon des anciens en fin dans de semaine. La salle des anciens, ancien, c'est l'affaire qui tourne. Oh, puis il y a la presse à côté, genre. Il l'utilise pas. Il utilise pas. là, la presse. J'ai notre dog, on va jaser notre <laughs> dog. Je mange pas ça, <laughs> Moi, j'en mange. Non. Ah, oh, ouais, Mais non, c'était. Tu as checké avec un microscope euh, de quoi ça l'air. Qu'est-ce que t'as dit sur ça? Ouais, 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 ouais. ouais. J'ai déjà checké ça, malheureusement. Ouais. Les gars, on va jaser beaucoup de football. Euh, Peut-être un petit mot sur. Euh... Ah, l'ennemi divin, ça n'a pas de sens. Euh, Russell s'en va Steelers. Là, ça va bouger aujourd'hui, je le dis tout de suite. Là. Ça a l'air que Saquon, c'est proche des Eagles aussi, là. Saquon avec les Eagles. Ouais, il y a des rumeurs de Saquon no aux Eagles. Ben, de T, non. T. Higgins qui a demandé une transaction aux Bengals. Euh... Mais Russell, c'est pas fait, là. Ben, c'est pas fait. Parce que là, pendant trois jours, ça va sortir puis euh, ça va tout sortir mercredi. Là. Il y a une petite parenthèse. Un de mes préférés, une, une de mes préférée. j'ai déjà parlé de lui, Thomas Bordelot. Il faut parler de. Il est en feu avec les Sharks. Trois bien en deux matchs. Ronald qui l'a frappé aussi en fin de semaine. Oui, mais Après pour vrai, ça. tellement content pour lui. Euh, vous savez, son père. Il a joué à Innocent pendant une couple d'années. Ben oui. Puis là, Thomas, il était 40, il a enfin sa chance, il l'a saisi. Fait qu'on est content pour lui. Bordeaux est en feu. Ouais, il va avoir un bon rôle avec les Sharks. D'ailleurs, il faudrait pourrait, parler ouais. peut-être à Mike Greer prochainement. J'aimerais ça comprendre. Oui, on ce pourrait. On parle. pourrait. Ouais, comment, mais... comment il peut retenir autant de salaire autant, aussi longtemps? Pourquoi <laughs> il, a, il a donné deux choix de troisième ronde avec Hertel en plus? Je, je comprends pas. Je comprends, je comprends pas qu'est-ce qu'on fait. Je comprends pas qu'est-ce qu'on fait de. Du côté mais, mais Puis vous avez vu que l'échange de Barabanov aux Rangers a pas marché parce que les Sharks sont échangés à Artel. Là, les Sharks sont non, monotés. Ils ont, ils ont retenu trois contrats. Donc là, ils ne peuvent plus rien faire. Mais, hein. mais on n'en a pas parlé. Vegas. Hertel qui rajoute. T'as-tu vu leur alignement quand Stone revient? Si il moi. T'as-tu oui. vu les quatre. Non, il revient. Deuxième monde des séries qui revient. Mais t'as vu leur alignement comment il va être? Ben non, c'est. C'est le meilleur mais... alignement que la Ligue nationale, là. Le meilleur alignement. C'est pas, pas juste. <laughs> mais c'est juste, mais c'est pas juste. Non, tu mais as le droit de le faire. Ben, McRiman et puis McPhee là-bas, c'est. C'est actif. Tout le monde veut jouer à Vegas. Ben, c'est toi, toi qui aimes pas Las Vegas. Tout le monde veut jouer à Vegas. Non, ça, ça jouer à Vegas. Je m'en vais là, justement. Au, au draft, je m'en vais là-bas, justement. Mm -hmm. Tu veux tu Non. Merci. Quand tu veux-tu bien? On je va vais là au Drash. On a plus de choix à faire dans ce temps-là, par exemple. Euh... Non. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Audrey, Lâche vrai. les shows, on en en. Si est on en vacances. Si on s'en va là-bas, ah, on s'en va avoir des shows, on s'en va repêcher. On fera des petites ici et là si tu veux. Fais du travail. travail. Fais travail. Moi, je serai être... en, je en vacances. <laughs> T'as perdu DeAndre Swift, Ben? Ouais. 3... Contrat de trois ans, supposément, avec les Bears pour DeAndre Swift. Ça, on s'entend, ils vont nulle part. Non, mais pour vrai, Gonzo, je te dis, je pense que les Steelers vont terminer devant tes Bengals. Puis je suis prêt. Voilà, au début de la ça, saison, Au de la saison, je suis prêt à parier avec toi que les Steelers vont terminer devant tes et... Bengals. On on verra là, mais en fin de semaine, j'ai pas aimé que... ça. Là, Joe que... Burrow en fin de semaine. Mais, euh... mais quest pour toi As Tu veux vu Ben Jean Joe Jean Burrow en fin dit. de qu semaine. Qu'est-ce qu'il fait Il n'a rien dit. Ouais, mais... <laughs> qu'est-ce qu'il fait lui, c'est body-body avec Trump. Non, mais il était avec Bosa, qui lui est body-body avec Trump. Fait que là, finalement, elle a pris une photo, puis là, ça a fait. Ah ouais, il était, il était et... grand il était, de ton était, Joe, là. il était grand sourire, Joe, quand même. Puis il est resté là. Il est resté là, mais ouais. Oh, ça t'aime moins ça, hein? Pouhémis. Change d'équipe, Big. Non. <rire> non. <rire> hey, mais, mais question pour toi. Qui que, une non, mais question pour toi. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a des gars qui demandent des transactions qui, finalement, sont signés à long terme? Ils savent qu'ils ne ils peuvent pas se permettre de le perdre. Penses-tu, Gonzo, que c'est ce qui va arriver? Parce que s'ils donnent une contrat à long terme, il va être content. Ça fait partie de la négociation. Il ah mais peut... ben, Non, mais là, ils ont le droit. C'est juste qu'ils ont mis la, le tag ouais, sais, de franchise. Mais mais, mais mais mais... Ils ont jusqu'au 15 juillet pour s'entendre avec. Là, mais, fait que... mais bon, pense-tu -il qu'ils vont s'entendre ça, je te demande? Je sais pas. Parce que là, il a mis la pression sur l'équipe. Je il une pense qu'ils vont l'échanger. Non, non, puis Joe Power est part... sorti il... pour dire qu'il était très content que T. Higgins reste mais, avec mais, les gens. Mais, mais les les ça ne se peut pas qu'ils l'échangent. Ça se peut pas. Ils vont pas l'échanger. Ça dépend de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait jouer. Lui, euh, wow, il, il a commencé à lancer des noms de corps arrière. Qui, ouais. Avec qui il a dit qu'il voulait jouer J'aimerais ça jouer avec Trevor Lawrence. J'aimerais ça jouer avec Josh Allen. J'aimerais ça jouer avec euh, C.J. Stroud. Ils les a il ça... Ils a déjà nommer. Il t <laughs> Mac Jones qui va seconder Trevor Lawrence. Ouais. Hey. Lui, sa carrière est quelle terminée. Chute. <laughs> quelle, <laughs> va, hein? bah, quelle chute. Il sortir la tonne Undertaker si tu veux. Quelle chute. Mac Jones s'en va. Quelle chute. Des Jaguars. On s'y attendait un peu. là. Ouais, ouais. Tap une belle claque dans la face par exemple. Ah, c'est un deuxième. Les hey, Pats vont repêcher un quart arrière les gars. Oui, hey, quand je pense big, euh, aux gens qui ont amené les les gens se mettaient à collectionner des Matt Jones, des cartes signées. Ouf. Les gens qui ont dépensé ouais. là-dedans parce que le monde se disait que Matt Jones échec si allait devenir le prochain Brady. Ben oui. Les gens Gonson, ont dépensé de l'argent là-dessus là. Belle. Tu, sais, tu sais, quand des fois, là, tu, quand tu fais une prévision d'un gars, oh, tu ben penses. Non, mais des fois, regarde, moi, j'ai des collections d'Anne Soufati, j'ai des collections d'Alec Manoa. J'avais acheté à peu près 15 Alec Manoa rookies. Là. Oh, Alec Manoa qui est complètement perdu. Attends, là, la première année, il casse tout. Ouais. Là, je me dis, waouh, là, je suis assis sur une belle mine d'or. Quand il y a des hypes de même, là, il faut que tu vendes tout de suite. Bédard, ceux qui ont des Bédards, vous devez vendre tout de suite. Parce que Bédard ne va pas monter la carte, elle va baisser dans le temps. Fait arrêtez de niaiser, de penser que où est-ce que c'est rendu maintenant, la hype, ça va descendre éventuellement. Mais non, ça va descendre. C'est sûr. Ben là, ça, c'est gonflé. C'est ben, très ben, gonflé. C'est okay. gonflé parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ligne. Les gens n'ouvrent pas les boîtes. Mais plus ça va avancer, les gens commencent à en ouvrir. va y en avoir plus Quand en les ligne. les First Picks, tout ça va Regardez ah, ouais. la première, ce que ça a fait. Là. Même avant, ouais, la première, ouais. Là, il y a eu les, les performances. Mais... Oui, ben, mais vous allez voir. Si vous en voulez une, attendez six mois, là, il va en avoir plein en ligne. La tiers de ce que vous voyez en ce moment. Okay. Attendez. Merci à Kim d'Ottawa. c'est vrai. Puis il me fait faire. Il dit, les gars, musée du punk rock à Vegas. C'est vrai que ça serait le fun d'aller visiter le musée le des Spank punk rock. Hein, avec, avec toi, genre. Ah, puis c'est. Hey! C'est Jerry Judy, c'est vrai! C'est vrai! Eh, hey, big, oublie ça. Les, les Broncos finissent, là. Les fans des Broncos <laughs> changent d'équipe. C'est vrai! 1,2 million pour Russell Wilson. Qui lui fait déjà grand ans. Gazo, Gazo, attends. Chantail que les Steelers finissent devant ton équipe? Attends, je vais voir ce qui se passe avec T. Higgins avant. Ok, ok, ok. Tu sais? Après, on pourra parler des Steelers. Vont être fast, les Steelers. Gros show pour vous. Gros, 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 gros show. C'est dans 40 secondes de Il ouais, faut, faut sortir. Ouais. Mathieu faut... Schunard, Pat Bernie et Greg Langto sont en vain. Tu peux voir ce que ça fait? Ouais. Tony non. Tony va être là à minute 40. Là, on va aller en pause. Il bah, faut faire chauffer les fesses. Ouais. Puis là, au, où... au retour, oui. on va parler <laughs> du, euh, du match. Canadien, libre sans Jake Allen, sans ménage à trois. Facebook Live. Ah, oh, je suis. Euh, là, il y a du monde qui va jaser football, et pas à peu près. J'imagine qu'en tribune, on prend une place aux gens qui ont ben ouais. euh, parler football. Ben là, ouais. On a des fans des bruns. Ça, des fans des bruns, il y en a partout maintenant. C'est vrai que Jerry Judy, par exemple, euh, cette division-là va être solide. Ça, Watson. Moi, je l'aime pas. Moi, j'aime pas avec ah, lui. Mary Cooper puis Jerry Judy. Mais il y a des armes, Il y a des armes. Tu sais, t'as des armes avec un jeu au sol dévastateur, oh. une défense de fou. Oh. En tout cas. C'est un bon, bon guest, disons-le ainsi. Euh, Peut-être un petit mot, Georges, également. Oscar nous dit, là, les gars, on les ouvre les boîtes, on les ouvre pas. Il parlait okay, de Upper Deck. Oui, OK. Juste pour vous dire rapidement, là, quand que je parle de la Bédard, je parle de la carte telle qu'elle, de comment qu elle se vend à des prix démesurés. Ceux qui ont des boîtes, ne les ouvrez pas. Les boîtes vont monter en valeur, puis ça, vous allez garder votre valeur par rapport à ça. L'affaire aussi, c'est que commencez pas chez les boîtes trouvez trouver la bédard parce que les chances que vous la pogniez, c'est quasi impossible. Puis si vous ne la pognez pas, vous avez acheté votre argent parce que les boîtes se vendent entre 4 et 500 chaque. Ouf. Résistez, essayez de résister à la tentation de les ouvrir. Gardez-les fermés, puis ils vont toujours prendre la valeur, une boîte fermée. Mais ne les ouvrez pas. Puis c'est si avez des bédards, vendez-les tout de suite. Je parlais juste de la carte singulière de bédards, ceux qui en ont. Parce que là, il y a un hype, il y en a pas assez en ligne, tout le monde capote qui en veulent. Si vous dépensé un prix de flux là-dessus, vous allez voir dans six mois, un an, la carte va être pas mal moins chère. Mais les boîtes, c'est parfait, mais résister à la tentation. Je sais que c'est dur quand c'est à la maison, comme Gonzo, t'as une cache, tu jure de pas l'ouvrir? Non. Qu'est-ce que tu fais pour la... Tu la mets où? Je l'ai caché. Oui. Tu, tu touches pas à ça, vous touchez pas à ça, vous attendez. Puis là, la valeur va être là. Parce qu'avec le temps, plus ça va avancer, moins il y en a. Puis ça va donner un de rareté, vous allez retrouver votre argent. Mais il faut juste pas l'ouvrir, ça sert à rien. C'est tout. C'est dit. Par rapport aux boîtes fermées. Vous yeah. avez vu avec les boîtes fermées comment ça se vend éventuellement avec le temps? Ah mais... oh oui, regardez-les. Quand non, les mais... gens ouvrent après, tu ne peux pas gagner. Quand tu commences à ouvrir des boîtes, tu ne vas jamais gagner. Tu ne peux pas gagner. Ça ouvre pour un le playstyle. Exactement. C'est un le game ball, Tu le fais pour le fun, mais tu ne gagneras jamais. Victoire des Leafs 3-2 contre le Canadien en fin de semaine. Ceux qui regardent le classement se disent parfait ça. Match serré, pas de points. Euh, Gonzo, OK. Là, il y a une question à te poser. J'ai une question à te poser à toi, Gonzo, puis les gens qui ont coûté la game parce que je ne l'ai pas vu. Pour une des premières fois de l'année, j'ai vu. Zéro seconde de la game, j'ai juste vu les highlights. Reeves s'était fait aller la gueule comme ça se peut pas, à un point qu'on était sûr qu'il allait avoir un match-up. La question que j'ai pour toi, Gonzo, puis les auditeurs. Il a pas eu lieu. Quand tu te fais aller à la gueule de même, puis tu te dis le prochain match, es comme surtout que tu as mal paru, tu te dis il va vouloir se reprendre. Est-ce qu'il y a un moment dans le match, Gonzo, puis je te pose la question à toi qui étais là-bas, puis aux auditeurs? Est-ce qu'il a challengé Jack Hyde? Parce que je n'ai pas vu, rien vu. Il n'est rien arrivé, mais Reeves avait quelque chose à prouver. Est-ce qu'il l'a challengé? Est-ce qu'il a demandé? Est-ce qu'il qu Non, quelque mais il y, y a des gens qui t'ont dit oui. Mais, moi, j'ai regardé le match samedi, j'étais sur place. C'est sûr que, bon, dans l'action, dans, dans le feu de l'action tout ça, moi, je n'ai vu aucun challenge okay. de la part de Par les gens games. qui étaient là, est-ce que vous avez vu... Parce que, pour si vrai, Gonzo, si c'est vrai, puis s'il n'y a rien, non non. puis Strubal est allé le, leur véritablement. à dire qu'il y a, pis... a juste une grande gueule, mais il ne back pas ses actions. Là. On a été tous déçus. Tout le, hey, pour vrai, il y a des Regarde, gens le dans dise, le building. Le monde ne sont même pas proche. Il y a des gens dans le building qui voulaient le voir, là, ce combat-là. Oui. À peu près tout le monde s'attendait à ce que ce soit ça. Là. Il, il était physique? Quand non. il s'est fait geler par Strubal, il a-t-il ramassé du monde? Non. Il sest fait la gueule? Non. Y a-tu commencé à chirper? Il, non, il, je dire, il joue pas. Rien? Là. Il joue pas. Il a, puis jeu, il... Ben, il a joué presque 9 minutes. Ben, C'est ce ça. Mais il joue pas. Tu le mais, vois pas. Mais je l'ai tué. Il, il, il patine tue, pas. Il... Non, non, il, il fait il rien. Il a pas frappé personne. Non, il, il, il a pas intimidé personne. Les Leafs, là, ça me dit, je suis désolé, là. Mitch Marner n'était pas là. Le premier trio on n'a rien vu. Euh, le premier trio du Canadien de Montréal a presque mangé là, le premier trio des Leafs. On a commencé à la game avec une, une superbe pièce en Slavkovski, Caulfield et Michael Madison. C'était magnifique. Tout le monde dit euh, « Reeves était physique, pas lui. Il n'a rien fait, il n'a pas frappé Reeves personne. » Attends, Reeves était physique? Les gens non, non, disent... non, 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 Jackaï. Oui, Jack. le monde disait oh, oui. « Jackaï était physique, il, disait, il a rien fait, il n'a pas frappé personne, non, non, Jack il n'a pas parlé. » était là en fin de semaine. Jackaï a été physique. Euh, écoute, ça a été un match physique pareil, là, en fin de deuxième, avec Savard, avec un début d'escarmouche. Ça a les gans en face, à gauche, à droite. Domi qui s'en va voir Slavkovski. Celui-là est drôle en maudit, hein? Comment? Non, mais j'ai pas vu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Bah ben, il, il est allé le narguer un peu, là, tu sais. Ah, va pas chercher Slavkovski, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est un agitateur, il voulait faire des choses. Je comprends, déranger. mais ouais, mais tu sais, va, va chercher chaussures à ton pied, là, si tu veux te battre, là. Ouais. T'es allé non, mais... le narguer. D'ailleurs, son père, encore une fois, son père, il le suit partout, hein. Mais ouais, mais ouais. Il était encore là, en fin de semaine. Mais, mais Gonzo, euh, par l'armée, ce qu'il dit, c'est que. Jaka, il a joué sa game physique puis Reeves invisible, pas physiquement. Moi je l'ai pas vu Reeves. C'est si, si, pour vrai là. Et il devait tellement. Si je, contre pas, contre... si je savais pas, si je savais pas, puis que j'allais pas regarder, mettons en oh ouais, ils vont tu pogner? Là je regardais mettons quand un sautait sa glace, si l'autre arrivait sa la glace, c'est ouais. ok il est en fin de chiffre? ici. Ouais. Je regardais tout ça en fin de semaine. Je L'ai pas vu. Si je regardais pas ça je l'aurais hey, pas vu de la gueule. Tu sais comment il s'est fait aller à la gueule, Gonzo, quand il a, quand il a mal paru puis comment il a dit quoi il m'a il m'a sauté dessus, il avait juste. Puis là, il laissait sous-entendre que le prochain match il allait. Puis s'il était même pas physique, il n'a même pas frappé, ça veut dire que il voulait pas provoquer d'aucunement une, une, une confrontation. Non, non, écoute. Parce qu'elle veut pas, quand tu t'en fous, stop, papa, tu gèles, tu frappes tout le monde. Là. Samedi, c'est avril. Sandel. Au Sandel? Oui. Si jamais tu veux, on y retourne. Hey, tu, hey, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais Gonzo, pour vrai, puis, je peux y aller avec toi, mais non ce ouais. que je veux dire, c'est que Gonzo, ça veut dire qu'il y a la chienne. C'est ça que ça veut dire. Il a peur. Moi, bon, si pourrais-je j'ai été si il a surpris a frappé, de voir que... Après d'avoir mal paru, si t'as pas frappé personne, t'as pas été un facteur intimidant, pis t'es même pas allé le déranger pis aller le voir, pis Jacques a joué physique, t'as rien fait, même devant tes propres coéquipiers, Gonzo, ça te fait mal paraître. Parce qu'à un moment donné, ils sont allés te chercher pour le jeu physique pour pas laisser personne qui joue contre toi, surtout un homme fort, déranger puis frapper ton équipe. C'est pour ça que s'il fait pas plus que ça, <laughs> il jouera plus. Là. Bourlou, ce message rétex dit les gars, il a fallu que je m'obstine avec ma blonde pour écouter à la game. Je checkais juste ça. Je suis déçu. <rire> <rire> Lui, il voulait juste voir ça. Hey, arrête, non, faut que tu me laisses regarder ça. Jackal va se battre contre, contre Reeves puis rien arrivé il a rien de... Non, ça n'a pas été un grand match, pour vrai, ouais. euh, malheureusement. Puis, mais le Canadien a bien joué, par exemple. Oui, oui. Ouais. Puis, tu sais, Martin Saint-Louis a louangé Michael Madison. Il disait que c'était le meilleur joueur sur, sur la glace également. Euh, Slaff a été bon aussi en fin de semaine. Slaff a été solide. Là, ouais. Il a frappé la, le poteau en fin de match. Mais il a, ça a été un bon match de sa part. Il était plus physique, il était plus impliqué. J'ai aimé ouais. son match. Fait ça, à défaut de voir Reeves-Jacquet, les gens, puisqu'on se lancé en fin fait de semaine en regardant Joshua et Nganou... Aussi, oui. T'as vu ce qu'il a fait oui. Ben là, ça, c'est. Ah, wow, ouais. Il est revenu sur Terre, hein? Nganou. Nganou, ouais, mais là, Joshua est revenu aussi sur la map, là. Mais, tu sais, là. Euh... Tu sais, Gonzo, c'est. Son ça. chemin. Tu sais, est... je dirais pas que Bat Nganu, Gonzo, c'est comme. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est la raison pas... d'Nganu Fury aussi, là. Les gens font des, des règles ouais. de trois, là. Tu sais, fait que là, tout le hey, monde. Comment euh... tu penses que Fury s'en. Sans... Fury qui, qui était là au plancher contre Nganou, qui avait ah, super mal paru, puis on hein. disait même qu'il n'aurait pas dû gagner. Tu peux pas jamais oh, mais il nous a regarde, c'est une mauvaise journée au bureau, bang, on se relève. Puis ouais, euh... mais je sais. Il y, y, y a aucune chance d'un combat revanche contre Joshua, oublie ça. Là. Je pense que là, t'sais, on, on fait va. Tu... Fait que tu vois, à défaut, pour ceux qui n'ont pas vu Jack I, Reeves, allez voir celle-là. Non, mais c'est ce le 6 avril. 6 avril, tu penses? 6 avril. Le match? Ben, pourquoi? C'est le dernier match de la saison là. entre les deux équipes. là. Il n'y en aura pas d'autres. Ouais, que... Si l'autre est à chien, si, si Reeves est à chien. Mais pas Toronto, Toronto là, je te le dis, je, je comprends que c'est un match. Là, mais ce qu'on avait en fin de semaine, là, bye bye première ronde. Je te l'ai dit! Ah! Fini! Fini Toronto! fini! défensivement c'est lent! Excellent! Hey, Joel Edmondson! était lent il y a trois ans chez le Canadien! C'est avec lui que tu vas aller faire les séries éliminatoires? C'est ça, leur acquisition, Gonzo, pour gagner la coupe. Oh oui, tout à l'heure, à une heure, on va parler des gagnants et des, du perdant de la, de la Ligue de, de la date limite des transactions. On parlera de Toronto. On fait une courte pause. On lui posera la question au retour. Tony est avec nous. De retour à l'émission. lundi, c'est comme ça. Ça brasse, changement d'heure. Ça brasse, c'est pas à peu près. Et on dit, on va continuer à brasser parce que Tony est avec nous. Tony, comment ça va? Comment ça va, Tony? Très bien, comment ça va, les gars? Moi, ça va bien parce que je sais que je vais avoir un bon souper à un moment donné. là, Ça, ça sent bien. Ouais, ça je joins un souper à Tony parce que ça ne va pas être changé, Fait que Tony, je te l'ai dit, je choisis la place. J'ai grandi, j'ai transformé no. le dîner en souper parce que oui. le dîner, on, est, on oui. fait le show. Oui. Fait que ça va me faire plaisir oui. Tony d'aller souper avec toi. Mais. Mais Gonzo, tu sais, qu'est-ce que j'aime de Georges? C'est que, c'est quand on a une discussion, là, tu sais, la façon dont il l'avait dit cette journée-là. Tony, toi, tu penses que David Savard serait pas changé cette saison? Non, Georges, je pense pas qu'il serait échangé. Mais hey, Tony, est sûr qu'il va être... il, est, il est tellement convaincant, j'adore ce gars-là, je le dire. Puis je vais, adore, je vais adorer le souper encore plus. Il y a pas faire tourner son Non, far, mais les gars, sans faire plaisir. Je suis curieux, gars part, on, on, parle, on parle de David Savard. Ouais. Puis, moi, je ne pensais pas que le Canadien allait changer parce que le Canadien voulait vraiment avoir le prix. Puis sans le prix, ils ont décidé que ça ne valait pas la peine parce que qu'est-ce que le va pouvait amener dans la prochaine année? Donner du temps, développement encore un peu plus de temps à Ryan Bucker, à Mayu, à être là pour évidemment stabiliser le groupe et aider le groupe. Mais moi, je veux te dire ça. Les gros perdants, là, vendredi, pour moi, je ne comprends pas. Il y a deux équipes que je ne la comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas que les Oilers n'ont pas été allés vraiment faire l'effort pour chercher un défenseur comme Savard. Parce que Dry lui manque un an de contrat. Est-ce que c'est garanti qu'il va être de retour l'année prochaine? Est qu va... Est-ce que c'est garanti qu'il va mais, signer oui, un prolongation mais Tony, de contrat? Mais peut On hurlers... peut penser qu'ils vont le faire, là. Oui, mais peut-être, dû à la santé de Savard, les Oilers ne peuvent pas savoir si sa santé allait être bonne oh, l'année prochaine. Non, 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 là. Ça non c'est quoi le problème de santé de savoir là c'est quoi le problème non bah on veut pas savoir Tony si... il vient de faire un jeu de mots laisse la on veut pas savoir sa santé elle serait bonne l'an prochain Tony donc ah, on a pas, okay, disons, okay, ils ont pas okay, pris okay. de chance ok ils avaient déjà non, donné mais... leur choix le premier tour les Oilers malheureusement pour Henry et Carrick fait qu'il fallait qu'ils donnent l'année d'après là sur 10 Tony j'adore j'adore, j'adore Vincent Desharnais c'est un chic type j'ai déjà parlé avec comme personne je l'aime beaucoup Puis il a T'sais, le gars, il a, il, a, il, a, il a su surmonter beaucoup d'obstacles dans sa vie. Hein. Son histoire vraiment est ouais. incroyable. Là. Mais c'est le quatrième défenseur des Oilers, là. T'sais, tu mets David Savard là, puis Vincent tombe sur la troisième paire comme sixième. là. C'est beaucoup mieux, non? T'sais, David Savard, là, Mais il y avait des rumeurs même Tony. 20 minutes par match. Il y avait bien sûr la première paire de défenseurs des sais... Mais euh... ben, tournez, je suis d'accord qu'il il, il manque. Il manque un goaler et un défenseur. D'accord. Les rumeurs, je les chose. gars, c'était Cody Cici. on avait même entendu que les Canadiens, canadien si le Canadiens prenaient Cody Cici avec Savard. Il y avait d'autres pièces dans, dans, dans l'échange. Je pense qu'on a essayé chez les Oilers. On n'a peut-être pas été capable de s'entendre avec quelques équipes pour les défenseurs qui étaient convoités. T'sais. Mais là, comme je te dis, c'est pas garanti que Dry va signer une prolongation de contrat. Tout le monde vient de s'améliorer. C'est sûr que les Oilers avaient fait une transaction quelques jours avant pour Henrik, tout ça, ouais. et, et Carrick là. Mais une autre, une autre équipe, je ne l'avais pas vraiment compris, c'est les Highlanders. Ouais. Les Highlanders, là, là, vendredi, ils étaient à deux points de place uh, de wildcard uh, pour faire les séries. Uh, ils pourraient utiliser un défenseur comme David Savard. Mais pour moi, le gros splash, les gars, il est arrivé vers 2h55, 2h50 de l'après-midi. C'est les Golden Knights de Vegas là, qui vont aller chercher Thomas Hurtle. Ça, c'est pour moi, c'est wow. « waouh. Je ne venu venir, venir cela, mais quelle intelligence d'un gars qui n'était pas dans les rumeurs de transaction du tout parce qu'il avait signé une prolongation de contrat. Il est là à long terme à Saint-Nosé, tu penses? Il est blessé, mais Vegas qui ont l'intelligence pour dire un instant, là, les Sharks, là, ils s'en vont dans une reconstruction. Là. Ils vont être là trois, quatre ans en reconstruction. Ils vont faire quoi avec Thomas Hurtle là, avec ce contrat-là à long terme? On va, les, on, va, on va les appeler, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait pour faire avec eux. Puis là, les possibilités que Vegas ont au poste de centre, Jack Eichel, Chandler Stevenson, Thomas Hurtle, Nicolas Roy, euh, William, William Carlson, c'est ouais. sûr qu'ils vont mettre Stevenson peut-être à gauche, puis pour moi, c'est le favori de la Coupe. J'aime pas dire ça, les gars, parce que j'aime pas y aller, puis... Il y a des fortes chances que les deux équipes qui sont rendues en finale cette année, l'année passée, ne seront pas les équipes qui vont se rendre en finale. Mais pour moi, c'est les deux équipes les plus complètes. La ah. Floride dans l'Est et Vegas dans l'Ouest. Non, non, ça, ça là-dessus, je, je ne ben... débattrai même pas avec toi, Tony, non, ben... que tu as raison que c'est les deux équipes les plus complètes dans chaque conférence. Là-dessus, c'est sûr. Si Vegas est en santé et tout le monde revient. Vegas, c'est en... une équipe parfaite. Alors, si tu regardes Vegas en ce moment, oh. c'est une équipe parfaite. En santé, là, ils sont imbattables. Si tout le monde revient On n'a pas parlé de sort. la défensive, là. Oh, oublie ça. ça c'est incroyable sur, que ce ça soit fait. Et, euh, je vous ai entendu parler de Jack Eye et de Reeves. Puis moi, j'ai une opinion là-dessus. Okay. Mon opinion, c'est que si les deux voulaient vraiment. Moi, moi, je dis pas que Jack High a. Moi, je suis convaincu mais, mais, que Jack Eye n'a pas mais, peur mais, de Reeves. moi, au ben, Reeves, je, je commence à penser qu'il choisit un peu ses hommes. là Mais si les deux voulaient vraiment se battre, l'aurait fait en début de match. Get it out of the way, that's it. Mais, mais Tony, pourquoi que Jack a aurait à faire ça? C'est lui qui l'a mal fait paraître, puis Jack c'est un joueur de hockey, sa job, c'est pas juste de se battre. C'est Reeves. Reeves, qui... Reeves qui avait de quoi prouver qu'il devait le faire, tu trouves pas? Là, t'as raison, là, as raison, mais je vais répondre à ta question. Jack aurait pu aller le faire... Parce qu'il y en a qui disent que le premier combat, l'autre il a manqué d'équilibre. C'était pas vraiment un combat. Il était un peu chanceux. Mais il n'y a rien à prouver, ça, C'est juste la raison pour laquelle. Mais c'est sûr qu'il y avait plus de motivation du côté de Reeves qu'à partir de ce moment-là, pour plusieurs, il a été comme détrôné du king de la NHL, du king de la NHL. Oui. NH, oui. Jacques, il joue 20, 20 minutes. Que... Il joue 20 minutes, il joue physique. Il n'y a rien à prouver. C'est Reeves, ouais. Reeves qui a tout à prouver. Pourquoi qu'il va aller le voir? Il a mal fait paraître. Glisser ou pas glisser. C'était Reeves de montrer que tu as été chanceux la première fois, puis de se reprendre. Tony, ouais. dans mon temps, là. Une affaire de même m'arrive, oui. le gars, là. J'attends pas le prochain match. En sortant de bande punition, je saute dessus. Lui, il a eu l'occasion tout le match, il n'est même pas allé le voir, puis Jack High jouait physique. Il s'est caché. Moi, je pensais je pensais que Jacky euh, voulait faire quelque chose à 4 minutes de la fin, mais t'as-tu vu ça? Mais il me semble que Reeves peut-être Pensait, je sais pas si c'était quatre ou cinq minutes, c'était tard dans le match. Mais peut-être Reeves pensait ce gars-là, peut-être ne va pas jeter les gants. Il veut que je prenne une punition parce que euh, Toronto était par avant par un but quand c'était arrivé. Non, mais Jack High a joué sa ils game. Ont autre, ils, ils ont une game, autre chance là, ouais. de se reprendre la, prendre, là, la euh, première ça, semaine du mois d'avril. Oui, mais, ouais. mais Jack n'a rien à prouver. Absolument rien. Il a déjà, il a déjà fait mal paraître. Il joue physique comme on aime. Pis a, son, sa game, c'est pas de, de chercher comme Reeves faut qu'il fasse. Oui, ce pas la même affaire. Ouais. Et les gars, euh, pas mauvaise prédiction. Vendredi passé, un des deux, Allen ou Savard, va être échangé. Les Canadiens vont payer 50% de salaire. Mais en, moi, en fin de compte, je ne pense pas qu'ils vont échanger Savard parce qu'ils peuvent aller chercher plus pour Savard l'année prochaine. Finalement, c'est Allen qui est échangé. Les Canadiens payent 50% du salaire. Mais je pense que c'est un peu la logique, les gars. Pour moi, c'était la logique que Allen avait plus de valeur là que dans la saison morte. Ouais. Ouais. Mais, mais je comprends avait, pas ça encore New une Jersey. bonne valeur. Là. Je comprends pas le fit là. Ouais. Merci Tony. À demain Tony. Je comprends pas le fit avec New Jersey. Bonne journée les gars. Merci, Tony. Salut. Je te gage que présenté par bet99.net. Tous les matchs commencent sur bet99.net. Les Jets de Winnipeg contre les Caps. Les Caps sont quand même surprenants dans cette course aux séries. On les voyait plus dans les bas-fonds, mais je pense que les Jets sont beaucoup mieux nantis que les Caps. Donc, je vais avec la victoire des Jets par au moins deux. C'est une cote de 2,25, même si c'est à Washington. Ceux qui croient au Vetchkin, 2,70 pour la victoire. Mais je vais avec les Jets. Par deux, 2,25. On se va aux manchettes du mort de la planète, Hugo, qui donne les de l'heure. À chaque instant, il est à affi de l'actualité sportive. Et par la suite, avec Gonzo, c'est le débat. Notre gagnant est perdant de la date limite des transactions. À tout de suite. Le Canadien était à l'entraînement du côté de Brossard en vue de son affrontement de demain face aux Blue Jackets. Yuraslavkovsky n'a pas participé à la séance pour subir des traitements. Colin White portait un chandail sans contact. C'est Kaden Primo qui va obtenir le départ. Quatre matchs dans la ce soir. Les Blues sont les visiteurs à Boston. Les Devils affrontent les Rangers au Madison Square Garden. Les Capitals rendent visite aux Jets à Winnipeg et les Kings reçoivent les Islanders et Patrick roy à Los Angeles. Par ailleurs, les Ducks ont annoncé que la saison de Tristan Lino est officiellement terminée. Les Québécois avait raté l'entièreté du championnat mondial junior en raison d'un virus auquel il tente toujours de se remettre. Les sénateurs d'Ottawa ont annoncé que Josh Norris aussi allait rater le reste de la saison à la suite d'une opération à l'épaule. Et finalement, dans la NFL, Russell Wilson signera avec les Steelers au un contrat d'un an d'une valeur de 1.2 million. Baker Mayfield, lui, prolonge à Tampa Bay d'un de 3 ans d'une valeur de 100 millions. Et à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, Kirk Cousins affirme avoir vouloir tester le marché. Il est 13h. Bon lundi. Bienvenue dans la Règle Gonzalez. Garde euh, de vous parler hein? au téléphone autour de 2h15 pour revenir sur cette date limite des transactions. Je sais qu'il y en a encore plusieurs qui n'ont pas pu nous parler vendredi et qui euh, sont contents et qui célèbrent la fin du ménage à 3, Georges, à Montréal. Là, les gars, euh, je veux ma... avant que je dise quoi que ce soit, je veux ma note sur 10 avec le jeu de moi avec Tony. Vous avez oh, rien dit. Ben vous n'avez pas voulu interrompre Tony, mais les autres stars ont aimé. Mais j'ai besoin de mes, de mes juges préférés euh, de votre vote. Parce que je me prépare. Là, le printemps je veux pas Le prétend s'en vient. ne vais pas t'offusquer. Dans pour... ton événement social. Mais je m'en souviens plus. <laughs> quand j'ai dit que les Hallers, Gonzo, quand j'ai dit que les Hallers, ils ne sont pas allés chercher David Savard parce qu'il ne pas savoir pour ouais. sa santé pour l'an prochain. J'ai une bonne note des auditeurs, mais ouais. je veux savoir mes juges préférés. Moi, je suis pas un bon lundi pour moi. Là. Le changement d'heure m'a rentré dans wow. le corps. Puis euh, Je pense pas que je vais être le, le, la personne qui va te donner des notes oublie, optimales aujourd'hui. Non, non, je suis transparent, je suis honnête avec <laughs> toi. <là. rire> Cherche-moi pas aujourd'hui, genre de la rac. Ça, je te dis. <laughs> oh, moi, c'est parce que je suis déjà dans le montage du 22 mars, c'est le prochain montage. Okay. J'ai déjà, j'en ai déjà deux, deux gros, gros, gros. Euh, Jeux de mots. Celle-là. Un gros bonus, puis t'aimes ou t'aimes pas. Euh... C'est trop fort, ça, par rapport à Savard. Mais ouais. Savard, je te dirais un 6.5. Moi, demain, je rentre avec une pancarte. Faut mettre fin à ça. À quoi? À tout ça. À quoi exactement? À ces jeux de mots-là. Je peux. Si tu veux je mette fin, je mets fin. Parce que tu m'as dit que t'allais pas être sur scène avec des jeux de mots. Ouais, exact. Mais gazo, si vous me demandez d'arrêter... Tu gardes les meilleurs. Tu gardes juste les meilleurs. Si vous me demandez d'arrêter, les gars, j'arrête, j'en fais plus jamais. Non, moi, moi, ça me dérange pas. Je suis capable de plus en plus... Moi, si j'aurais juste à une, rôle, une phrase pour être sûr que t'arrêtes. <laughs> <laughs> une phrase avec un nom dedans? Ouais. <laughs> si jamais tu dis que je ressemble oh. à lui en ondes, j'en fais plus jamais un. Dis-le, puis j'en ferai plus jamais. Non, je ne pas là. Non, mais je veux juste te dire, si tu veux plus que j'en si fasse... Si je te dis, dis à qui que je en rentre avec une pancarte, peut-être que tu vas juste en dire une sur trois. Et donc, tu vas peut-être frapper dans le mille plus souvent. Plus souvent, ouais. C'est juste ça que je te ah, dis. Ben, tu ouais. veux que j'arrête, tu peux juste dire à qui je ressemble. Tu <laughs> le puis j'en fais plus un. J'en fais plus jamais un. En fait, si jamais j'avais à te faire cette demande, tu le sais, c'est la démocratie à la de Gonzalez. Les seules personnes qui pourront vous faire arrêter Georges, pas moi, c'est l'armée. Si eux, ils veulent que ça arrête, ça va arrêter. S'ils veulent que... que ça se poursuive, okay. ils vont Armée, armée voulez-vous que j'arrête d'affaire de, de mots? Il y a vous... beaucoup de gens qui adorent. Et si les gens veulent ça, tu le sais, on est chaud du peuple. On va <laughs> donner au peuple ce qu'ils veulent. <rire> 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 <C 'est> un... <laughs> Tu vois? Non, <laughs> yeah, non, ils veulent pas. Les gens veulent que tu continues. Après, ne <laughs> m'en pas une note à chaque fois, par exemple. Là, je, tu vas peut-être te décevoir. Non, mais c'est correct. Tu mets la barre haute j'aime ça. Je me prépare Et pour voilà. la chose sociale. Tu vois? Correct. Je prends pas mal, là. Je me les Il y a des euh... critiques plus difficiles. Tu sais, quand tu t es le lendemain de première, ah, oui. mettons, tu es un lendemain de première, puis là, tu t'assois, puis tu vas lire le journal de Montréal ou tu consultes la presse plus, puis que là, finalement, tu un 5 sur 10 ou un 3 sur 10. Ça doit faire mal en dedans. Non, ça, moi, ça me dérange pas par ça. Non? Non. Tu dis sais pourquoi? Parce que je suis pas un comédien de carrière. Exact. Fait que Ça me dérange vraiment pas. Oh, je pense pas qu'au lendemain du social, il y aura critique dans la presse plus ou dans le journal <laughs> de Montréal. Eux <laughs> autres, je l'ai déjà dit. À défaut d'être mauvais, vu que j'ai pas peur de l'autodérision, si les gens rient de moi, ben c'est le même résultat que s'ils rient du jeu de mots. Fait que le purpose, c'est que les gens rient. Moi, moi ce que je, je vais te le dire, OK? Ce que j'aime, c'est que tu le fais tellement avec bonne humeur et, et avec. Euh, tu sais, t'aimes ça, t'es un gamin, là. Fait que ça, c'est. Ça, ça c est, c est sûr que ça va passer plus, plus, plus facilement. Ok, merci. Big. Je continue. Ouais? L'armée a parlé de toute façon. Ouais, c'est un oui. C'est un oui sur le message Retexte. Alors euh, on écoute l'armée. Nous, on vous suit. On vous suit. Vous le savez, vous faites partie du show de toute façon. Ok, avant de passer à la Ligue nationale de hockey, on vous demande aujourd'hui qui est le gagnant et le perdant de la date limite des transactions. Et également, vous pourrez revenir sur le fait euh, sur votre réaction suite au fait que David Savard est encore un Canadien de Montréal aujourd'hui. Jake Allen, beaucoup de gens s'expliquent encore mal, Tony disait ça avant la pause. La comprends-tu? Moi, moi, je la comprends un peu, peu plus. Là. Non, il n'y a personne qui comprend. Moi, je ne comprends pas le move des Devils. Moi, Gunzo, je ne comprends pas. pareil. Mon interprétation, puis je vais dans la même veine où je disais vendredi, ouais. c'est qu'on a été chercher notre backup pour l'année prochaine à 1.9. Je comprends pas le L'année le, prochaine, le, non, les, gros, les grosso, Devils, grosso, là. Moi, ça, je ne comprends pas le rush d'avoir besoin de faire. d'aller chercher ton backup tout de suite à 1.9. Puis l'autre affaire, c'est que cet été, tu vas me dire que de toutes les backups que tu peux aller chercher. Ton meilleur, ta meilleure solution, c'est Jake Allen. Eux, ils se sont dit à 1.9, voici notre vétéran qui va être notre numéro 2 l'année prochaine. Est-ce que ça urge à ce point-là? pense C'est pour ça que je te dis, l'urgence, c'était où? Puis eu plein d'options cet été-là. Tu veux trouver un backup cet été, des backups, il y en a plein. Il y a une différence entre trouver un backup et un numéro 1. Mais 1.9, 1.9, c'est un bon backup. De toute façon, tant mieux pour le Canadien, ménage à toi est terminé. La seule affaire qui est un peu décevante. Comme tu le sais, qu il a fallu retenir du salaire. Ouais. Parce que retenir du salaire, ça, là, t'es limité. Pas autant que Mike Greer, par exemple. Non, mais je comprends, mais <laughs> tu peux pas comparer à d'autres équipes. Là, tu l'as plus, là, cette porte-là. Ouais, mais tu as plus besoin. Quand... Il si le vendredi. Du besoin, mais au repêchage, Granzo, tu sais pas. Ouais. Au repêchage, quand non, non, tu non, fais des échanges. Ouais, pourquoi tu aurais à retenir au repêchage? Tu as plus mais, à retenir à la date mais, limite qu'au repêchage. Quand tu avec des équipes pour aller chercher des morceaux admettons qu'une équipe a besoin que tu prennes un contrat pour, pour pouvoir faciliter une transaction. Tu peux ce prendre le contrat. Tu peux juste pas absorber. Non, non c'est Oui, je comprends, mais tu comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tu sais pas ouais. ce qui va arriver ça avec ça. C'est juste pour ça. Je pensais qu'Allen, on allait peut-être donner un prospect B avec Allen pour pas rien garder. Ouais. Je pensais qu'Allen avait assez bien fait pour être capable de faire non. ça, mais... S'il avait assez bien fait... Le ménage à trois n'aurait pas duré aussi longtemps. Tu comprends? Ouais. Et là, pour les gens qui se posent la question, c'est que tu peux juste retenir trois salaires chez le Canadien de Montréal. Et là, le Canadien retient Jake Allen, le Canadien retient, retient Jeff Petrie, et le Canadien retient également Joel Edmondson. Mais Joel Edmondson s'enlève des livres là, là, après le repêchage. Fait que le Canadien aura sa place, aura une place de libre pour l'année prochaine. Mais pour le moment, il y en a trois. David Savant? David Savard, je suis surpris, là. Comme beaucoup de personnes, j'étais sûr qu'une équipe allait le donner, le show première ronde. Non, pas donné? J'aimerais ça savoir, tu sais, en même temps, ce qui vaut vraiment ça. Tu sais, on est tous stickés sur lui et puis tout ça, mais tu regardes David Savard, c'est un shutdown defenseman, mais tu sais, c'est un gars de troisième part quand même qui amène une bonne profondeur. Mais regarde le marché, mettons, là. Moi, Chris Tanev, Sean Walker, c'est là... des bons comparables. Là. Ben, moi, je pense juste, Gonzo, que l'année prochaine, là, euh, tu n'auras. sûr de ne pas avoir au première round pour l'année prochaine. Sa valeur, le plus élevé. c'est là. Parce que ce qu'un grandi a eu, c'est là. L'année ouais, prochaine, même au deadline, ça va être moins. Parce que là, il s'en va. Il s'en va au deadline l'année prochaine. S'il si est en santé, puis ça va bien. Oui, exact. S'il si est en santé, il va bien, il s'en va, va. Mais ça va être au mieux, ça va être un deuxième mais round. Pourquoi tu penses que Kent, Use et Jeff Gordon ont fait ça? Ils ont gamblé. Mais ils se sont dit, nous, la valeur optimale, là. si quelqu'un est game de peut-être céder, c'est cette année. Parce que tu lui donnes une autre année à 3,5, c'est bon, ça va L'autre affaire, Gonzo, aussi, que je ne comprends pas, c'est que les games d'ici la fin de l'année, ça ne veut rien dire. Puis on en a parlé. Le Canadien, Gonzo, là, les meilleures chances de gagner le boulier, c'est avec savoir dans le line-up ou pas, la line pas dans le line-up? Pas dans le line-up. Fait qu'est-ce qu qu'on a fait là? C'est exactement ça. D'ici la fin de l'année, ça veut rien dire. On joue pour le boulier. Puis là, ta valeur, elle est baissée pour l'année prochaine. Fait qu'à quoi ça sert de garder. Si Savard joue comme cette année. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, je sais, mais si Savard joue comme cette année et il n'est pas blessé. L'année prochaine, au deadline, t'as au moins un 2 pour. Oui. Mais sauf que cette année, Canadien, il faut qu'arrête de gagner. C'est catastrophique si le Canadien ne repêche pas dans le top 5 au repêchage cette année. Mais... Avec le talent qui est là. Non, là. non, mais j'ai des bonnes nouvelles pour toi, si c'est ce que tu veux, Georges. J'ai des bonnes nouvelles. Ah oh, oui? Très bonnes nouvelles. Hey, tu vas me parler du classement, que le Canadien est classé quoi l'équipe qui a le PS11 de sa famille? Ouais, deuxième, ça. Il a glissé là, après le match de samedi. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Ducks et les Jackets gagnent plus que le Canadien. Si le, Can le Canadien, présentement. Puis, là, puis Ottawa. Oui, Ottawa, il y a un problème. T'as-tu vu Ottawa encore? Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sept défaites en ligne. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, je ne comprends plus rien. Eux, il y a à peu près temps qu'ils gagnent une coupe parce que ce n'est pas vrai que vous allez terminer en arrière du Canadien. là. Le Canadien de Montréal est à quatre petits points de la quatrième place à l'envers. C'était quatrième à l'envers. C'est une très bonne nouvelle. Mais il faut que le Canadien finisse dans les cinq derniers. Moi, je te un dirais repêchage, les quatre derniers. Un ouais, quatre derniers. encore mieux. Un repêchage qui est deep de même, ça va faire une super grosse différence pour l'an prochain. C'est pour ça que ça va, Gonzo, encore une raison de plus qu'on parlait du prix du prix. T'sais, les gens qui disent que vous êtes contents, qu'ils restent, à quoi ça sert à quoi... Cette année-là, l'année, année, elle est finie. À quoi ça sert Ça sert que ce vétéran-là est quand même une super figure pour les jeunes défenseurs du oh, Canadien ouais. de Montréal. Madison aussi, Gonzo Oui, oui, je sais, mais maintenant, mettons, regarde Jack E, qui joue avec Savard maintenant. Il joue déjà pas mal mieux. Oui, mais c'est pas à cause de Savard, Gonzo. Ça, ça l'aide bien. Ça l'aide bien, ça coïncide avec ça aussi. On n'entend en, on que de bons mots dans le vestiaire également. Ce gars-là donne de fiers services. En fait, la, la question, c'est est-ce que tu prends l'influence qu'il y a sur les jeunes défenseurs de l'organisation pour les deux prochaines années ou tu l'aurais laissé partir pour un choix de deuxième tour là, la semaine mais, passée? Mais là, il va falloir que tu un choix entre lui et Madison l'an prochain. Moi, je pense que les deux commencent avec la, la saison avec les Canadiens de Montréal. Possiblement, mais là, tu as trop de défenseurs. Tu vas en transiger durant l'entre-saison. C'est un des deux, faut-il transiger, un des deux vétérans. Ça va être un jeune que tu vas transiger. D'après moi, je m'attends à une transaction hockey de jeunes joueurs. Ah oui, il va y avoir un il genre il de avoir genre de Casey Middlestan, là. Ouais, c'est ça en... qu'il faut que tu ouais, fasses. Oui, il, il va en avoir. Parce que l'an prochain, euh, Strobel et Jack Eye sont là. Puis euh, Goulet. Ces trois-là, c'est des locks. Puis Mayou. 5... Même Mayu. C'est pas un lock, par exemple. Ah, moi je pense que Mayu va jouer la majeure partie des matchs à Montréal l'an prochain. <laughs> Fait que Harris n'est plus là. Puis, tu le Hudson, ça veut dire que ça, c'est à Laval. Ben, ben, puis, Gonzo, Rhinebacker à Laval, ça va être difficile. Ça, je te dis tout de suite. C'est physique à Laval, puis c'est pas évident, puis il va y avoir de la pression sur lui. Tu c'est pas la même affaire. C'est correct. Pour Et... des joueurs européens, c'est plus facile de faire le saut dans ouais. la LNH. Que jouer dans la ligne américaine Oui mais il y en a qui, qui Moritz Seiler l'a fait David Richek l'a fait Simon Nemetch l'a fait aussi Il faut qu'il puisse se familiariser Avec un jeu physique aussi Ça va être difficile il va y avoir de la pression Ça va être difficile Mais il faut qu'il qu le fasse Et Quand t'es un top 5 là, Les gens vont te regarder Puis tu sais comment ah ouais. c'est hein. Rappelez-vous Quand entraînement, Il avait lui, dit J'ai jamais vu une bataille de ma vie Lui c'est pas comme Slav là. Slav là On l'a mis à Montréal Gonzo Puis on l'a laissé grandir là. Puis il n'y avait pas de pression, puis on parlait toujours de son âge il va s'acclimater, s'acclimater. On n'a jamais voulu mettre Slav à Laval parce qu'on savait que le mettant à Laval, tu sais comment il se faisait frapper. On sentait qu'il n'est pas assez proche, par il, exemple. Oui, il n'est pas assez proche, mais le Canadien avait les avaient tout à perdre de mettre en Slav là. Là, parce que tu as trop de défenseurs, tu peux même pas commencer l'année avec Runbacker à Montréal. faut que tu mettre mettes à Laval. Puis ça va être beaucoup plus tough. Puis... Laval, Gonzo, ça frappe. Moi, j'ai hâte à Tout le monde la veut saison, monter, ça va, être, ça va être fou là. Il y, a une belle, il y a une belle profondeur en défense chez le Canadien de Montréal. Ouais. Et qui sait, rappelez-vous, là au repêchage, quand c'est Romanov qui est parti, il n'y a personne qui pensait que c'était Romanov qui allait partir. Peut-être qu'au repêchage, on va être assis peinard. Ouais, parce qu'on dit qu'on n'a pas de défenseur physique. Je comprends. Mais peut-être qu'on va être assis au repêchage et que ce pas celui qu'on pensait qu'il allait partir hey, qui va partir. Pedro, tu pars, tu échanges Romanov puis avec Jack Ash, Trouble et Mayu, tu trois gars. Ultra physiques qui peuvent patiner, qui peuvent jouer au hockey, qui font partie de ta brigade défensive. Oublie ça. Là, non, non, c'est quelqu'un qui s'ennuie de Romanov à Montréal, puis il non. va très bien avec les Highlanders, là. Mais on avait le luxe de pouvoir le faire. Puis on a encore le luxe de le faire. Mais c'est qui qui va partir? Parce que le Canadien n'est pas arrivé, là. Tu sais, les gens disent non, on n'échange à... pas, non, couler, on échange à... pas. C'est hein. Aris qui va ben, est, rien, par exemple. Ben non, il ne dit pas. Il ne faut non, pas non, rien. Big, je... Arrête de jeter. Il faut rien. Harris. Harris ne t'amènera pas quelqu'un qui joue sur le non, top 6. Non, mais non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais Il y a une différence entre ne vaut rien et parler d'un top 6. Harris ne vaut pas grand chose. Harris, au mieux des mieux, vaut quoi? Un 3? Mais non. Ben oui. Un 2. Ouf. C'est un, un, un gars de ligne nationale quand même. Tu mets Harris, tu mets un choix de premier hey, tour, la, puis là, la, tu chose, la, la autre chose. Raison, quelqu se... Tu que quelqu'un, veut la quantité, là, la non se... la qualité. La seule raison pour laquelle on parle d'Harris demain, c'est parce que le Canadien est loadé à défensive. Si le Canadien, là, il n'y avait pas autant de prospects à la défensive, on ne dirait même pas son nom pour être là. Il serait dans le top 6 du Canadien, puis d'artiste. C'est juste que là, tu as le luxe. Il faut que tu fasses un choix. En faisant le choix, c'est le choix plus facile à tasser. Mais c'est juste parce que tu es loadé en défensive. Mais c'est pour ça qu'on parle de lui. Mais sinon, on dirait rien, puis il ferait partie du top 6, puis c'est tout. C'est juste que là, on peut s'en se, départir parce qu'on on a des spécialités en défensive qu'on a, s'ils si s'en viennent. Ça qui... va dépendre de l'équipe avec qui tu parles aussi. Là. On, on entend des fois, mettre, on, on joue, là, mais mettons que c'est Anaheim. Qui, qui Anaheim aime ces Griss On parle des fois, on entend Ken Johnson à Columbus. Qu'est-ce que Columbus va vouloir aller ben, chercher? Hamilton hey, ne prendrait Harris. Hamilton, il n'y a pas grand-chose. Non, mais tu comprends, il y a des oh, défenseurs, ouais. il y a des équipes qui ont ah, besoin de défenseurs. Oh, il y a oui, il, il y en a, mais, mais il y a une différence entre aller chercher un joueur du top 6 et non, essayer de faire un package. Non, mais, non, mais là, c'est sûr que pour un, pour un joueur top 6, toutes les ligues, ouais. toutes les ligues, il y a il faut que tu te donnes. C'est ça, c'est pas, pas la package. quantité. Je veux dire, moi, je vais dire, OK, j'ai Barron puis Harris. Ben non, mais c'est pas assez ben, ça. pour un top 6. C'est ça. Ça va te mais prendre un choix, choix de first, puis ça va te prendre... Tes choix, pro... choix première ouais. ronde, là, vont être en jeu cette année. C'est sûr. Mais ton top 5 est protégé, mais il faut que tu finisses dans les 5 derniers. Je suis vraiment curieux de voir si c'est Goulet qui sera sacrifié. La seule affaire qui me fait peur avec Goulet, c'est ses blessures. Tu sais, Colorado a sacrifié Byron Byron à cause de ses blessures. Même affaire. Puis Goulet est toujours blessé. Mais le Colorado est pas mal mieux nanti, tu sais, aussi. Ouais. Avec McCart pis Taze, puis les, les gens, là. Les gens seraient déçus, par exemple, si c'est Goulet qui s'en va. Ouais. Oh, hein? boy. Sauf ça que, si tu veux chercher un, Sauf que, malheureusement, oubliez pas. C'est le seul qui a cette valeur-là, à moins que tu échanges jack High aussi. Là, mais le jack High, selon ce qu'on entend, il va pas nulle part. Non, là. mais tu sais, si tu veux chercher un top 6, malheureusement, c'est pas votre Vorak qui va vous donner ça, puis Harris et okay. compagnie. <laughs> hein? Y en a-tu qui s'en souviennent que Dvorak est encore avec le Canadien de Montréal? Hey, ga gagnant pardon, date limite? Gagnant, perdant, OK. okay ton gagnant, vas-y, ton ouais. gagnant. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas fair de dire ça, puis ça m'écart Gonzo parce que les allus doivent passer à travers eux encore. Mais quand Vegas sont allés chercher Hurdle, mm. pis on était partis, là, notre show était terminé. Hein? C'est la dernière minute. Pis j'ai dit Ça se peut pas. Je peux pas croire. Après Hanifin le Hurdle. Puis là, je, je regardais le line-up de cette équipe-là quand Stone va revenir. Ils sont imbattables. Leurs quatre trio qu'ils ont, là, un autre est tellement content. Hey, pense à ça, Gonzo. Là, puis puis il pas juste pour une année, là. C'est une transaction à hockey, là, et pour plusieurs saisons. C'est incroyable ce que Vegas fait. Incroyable. Et il faut dire aussi dans cette particularité-là, c'est qu'il garde 17 du salaire. Ça peut fêter. Donc, il fait 6,75. Je ne sais pas si vous avez entendu Brad Reckerman qui disait. Il a tellement été bon contre nous autres que quand je l'ai appelé, j'ai dit si t'es juste capable d'être comme t'as été contre nous autres, avec nous autres, on va être correct. Thomas Hartel, c'est tout un joueur qui, dernièrement, a ralenti, a 30 ans, a été blessé. c'est un méchant joueur de hockey. Les là. là, il joue avec des éléments. Il n'y a plus d'éléments avec les Sharks. Là, il joue avec des joueurs. Fait que c'est Vegas. Motivation. Toi? Ben effet, ouais, ouais. effet de Manta puis Hurto. Ben oui, ces trois joueurs-là puis Manta émergence cette année en plus. Là, de de, de l'année passée, 20 goals en 50 games. C'est pour ça que sûr, quand je regarde ça, cet ajout-là, ce qu'ils ont fait, c'est l'équipe à battre. Je vais aller ailleurs, vu tu as pris ça. Donnez-moi l'avalanche du Colorado comme gagnant. Puis ça tout aussi. C'est comme. l'avalanche. Close euh, deuxième. Casey Middlestad qui débarque, tu avais un problème au centre. Tu n'en avais pas de deuxième joueur de centre. Il n'y en avait pas. Là, tu enlèves Johansson, puis tu mets Casey Middlestad. Le retour de Nishushkin aussi qui revient du programme d'aide. Puis tu as Sean Walker en défense. Et surtout, on l'a dit la semaine passée. T'es capable de mettre Yakov Trenin puis Brandon Duhem. Fait que ton bottom six devient pas mal plus euh, gros, pas mal plus fatigant. Il y a plus de papier sablé, des gars qui sont capables ah, de jouer au hockey aussi. C'est les deux meilleures équipes. Dans les gagnants, c'est les deux meilleures équipes qui avaient pourtant pas besoin d'amélioration, mais qui se sont améliorées largement. Colorado, le seul problème, c'est que j'ai pas super confiance en Georgie F dans le filet. Non, mais ça, c'est on, on pensait que Colorado allait améliorer leur sort dans le filet. Ouais sais, lui a fait ses preuves déjà devant le filet, puis on le sait qu'ils ont un gardien. Ils ont un Dominique Cassec. Il, il aurait pu gagner le Scantimate l'année passée. Dominique Non, mais. si on Genso, pas le même talent, mais son style. Tu sais, okay. parce qu'il est grand, mais tu sais, il est pas ce style qu'il a, puis il se pitch un peu partout, puis ça fonctionne. De toute façon, on s'entend que ça va être le cinquième qui va être dans le net. Là. Ils sont tout le temps tous blessés, les Goalers à Vegas. Oui, mais Gazo, Brossois s'est blessé contre Admonton l'année passée, on a ri. Ah ouais. Puis l'autre est allé, allé, allé jusqu'à la Coupe. Et Maxime fait un bon point. Il dit L'Andescog patine aussi. T'imagines-tu si L'Andescog revient <laughs> Hey, Stone revient, L'Andescog revient. En ces deux équipes-là qui vont se battre pour l'Ouest. Colorado, à n'a pas négligé les Stars de Dallas. Peut-être en terminant, Georges, euh, les... ton perdant Je vais dire boston Gonzo parce qu'il y a besoin d'un joueur de centre. Ils l'ont pas fait. Puis, euh... Ils l'ont pas fait parce que Ulmar n'a pas voulu partir <laughs> Non, mais tu comprends. Ouais, Ulmar n'a pas voulu. Euh, fou pareil, hein. J'en reviens pas. Pauvre Boston pareil Puis euh, hayon, y, y, Eux autres Ils regardent, y regardent euh, La Floride que leur le MSS De l'année passée Ils passeront pas passeront pas à Floride Mais oui. l'année passée as tellement investi Avec Bertuzzi Avec Hathaway, Avec Orlov Puis t'as pas passé Que cette année Ils ont fait ça C'est quoi C'est Maroon Puis Andrew P Qui sont allés chercher Boston hey, Maroon. Ouais, Mais si Ulmark Dit qu'il s'en va finalement Il s'en va à Los Angeles Super luc Dubois Qui revient je me demande c'était quoi, par exemple. Ouais, je me demande c'est quoi. J ai, j ai qu on, on va le savoir éventuellement, c'est quoi. Parce que moi, mon, mon perdant, c'est les Kings aussi. Là. Tu regardes autour de toi, tout le monde a fait plein d'affaires avec les Kings. Puis. Mais pourquoi le Toi, Mark tu commences. Te pourquoi le refuse d'aller à Ligue? Je sais pas. et bien Boston? Je... Non, mais il jouera pas. Hey, pense-y, Si une équipe veut te transiger, ouais. là, clairement, là, t'es notre backup. Tu joueras plus. Il va peut-être y aller à la fin de l'année. Pour le moment, euh, il va pas. Et euh, moi, c'est les Kings. Tu commences les, les séries avec David Riddick, puis Talbot. Tu savais que tu devais t'améliorer. Ouais. Euh, avant d'aller en pause, les gars, une transaction <laughs> en ce lundi post-date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal qui fait l'acquisition d'Arnaud de Durando des Devils du de New Jersey. C'est une transaction de Ligue américaine là, contre Nathan Legaré. Alors, deux joueurs de Ligue américaine qui sont transigés l'un contre l'autre. Ouais. C'est rare qu'on voit ça, par exemple, le lundi suivant la date limite des transactions. Une, tra une transaction qui va être égarée dans nos esprits. Ouf, allons en pause. Au retour, Mathieu Chouinard va être avec nous. <laughs> Gros lundi! Gros lundi dans la Gonzalez! <laughs> Pas assez d'une pause. Euh, on va aller voir s'il passe un superbe lundi. Mathieu Chouinard est avec, est avec nous. Chouin, comment ça va? Salut Mathieu. Un merveilleux lundi. Ça brasse, ah. ça a brossé, j'aime ça. Ah, c'est bien ça. oui. Ouais. Ben Mathieu, là, justement, là, tellement parfait qu'on parle de la Gardienne B pour parler de Jake Allen. Jake Allen au Devils, qu'est-ce que tu as pensé de cette transaction-là de 1? Puis de deux, à quel point tu es content que le ménage à trois soit terminé? Bien. Comme tout le monde, le ménage à trois, là, ça a vraiment duré trop, trop, trop longtemps. Ça n'avait pas, pas lieu d'être là. Je pense que le plan n'a juste pas fonctionné à la base. Puis on l'a étiré. Puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire mieux que les, les Devils de New Jersey. Puis ça, je, te, je pense que c'est les deux côtés. Euh, du côté de Jake Allen, euh, que lui, il avait une clause de non-échange. Donc la rumeur, c'était vraiment qu'il ne qu voulait pas aller au New Jersey, qu'il attendait une meilleure offre ailleurs. Puis, je pense que la même chose un peu du côté des Canadiens. Ça, on en a parlé. Là, les... Je pense que les, les, les gardiens de but, ça les a vraiment fait ralentir. Puis, c'est fou comment lui, le l'a dit aussi. Il dit Moi, je m'en vais au New Jersey. Il faut que je remonte mon jeu pour être prêt pour l'année prochaine. Donc, tu sais, les... jamais ce que vous disiez tantôt, le, le move, là, à la base, c'était qu'on avait besoin d'un gardien de but au New Jersey. vu voulait environ un mois pour faire les séries si on une chance. Mais ils sont le on le bousillé. Par la suite, ben, on a besoin d'un premier gardien de but l'année prochaine, puis on avait besoin d'un deuxième, puis à haut salaire qui va commander, c'est un excellent euh, second. Mais euh, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de... de, de qu'est-ce qu'il s'est passé avec les Canadiens pour leur progression. Parce que moi, Kevin Primo, je suis pas convaincu encore que c'est un numéro 2 de la euh, Est-ce qu'il va être assez bon pour jouer? Oui, il peut faire des matchs. pas un problème, ça. Il y a du talent, il est correct. Mais est-ce que... Euh, jouer régulièrement dans la Ligue nationale. Et là, la question, que je me pose, là, il va falloir qu'il joue des games. Il y en a qui vont dire, ah, oh, mon tout le long de la saison, le ben reste de la saison, il fait tout jouer les 18 matchs. Je suis tellement contre ça. Mm. Il faut que Kaden qu Primo aille des matchs pour savoir fait, quoi qu'il y a dans, dans les reins. Parce qu'on regarde, là, contre qui qu il a joué cette année, là. Un, il n'y a pas beaucoup de victoires, puis il n'y a pas beaucoup de gros matchs, là. et On va se le dire, il n'a pas joué contre des très grosses machines, puis quand il a joué contre des grosses machines, ça n'a pas été vraiment un franc succès. Là. Non, puis euh, peut-être que l'échantillon sera trop petit pour que le Canadien de Montréal ait sa réponse à la fin de l'année, quand il devra prendre une décision aussi avec, avec euh, Primo. Et en terminant là-dessus, vous dire que Jake Allen se retrouve dans un autre ménage à trois à New Jersey avec Capo euh, Kekonen et Nico Doss. Fait que, pas ah, En plus, ouais, ouais. Ben Nico, Nico Doss pour moi, c'est vraiment le gardien d'avenir. l'avenir. Ouais. Euh, là-bas. Kakonen, c'était plus une police d'assurance, selon moi. Ah, Kakonen contre Van est arrivé aussi vendredi. Euh, en relance, est-ce que tu es surpris de voir Savard rester avec le Canadien de Montréal? Non, du tout. Du tout, je pense que le prix était établi, euh, qu'on euh, on, on voulait vraiment avoir quelque chose pour lui. Je crois encore qu'on a besoin euh, de, de Savard. Puis tu sais, on a déjà eu la discussion, George, disait, on a... Au, les, les gars, ils regardent autant Matheson que Savard, je ne pense pas. Je pense que Savard, là, il, il est une coche en haut. Euh, on, on le respecte énormément. Je crois qu'on a besoin de lui. Je pense aussi que n'importe l'équipe dans la Ligue nationale qui veut se rendre au bout a besoin d'un David Savard. Donc, ceci étant cela, l'année prochaine, il y a des, ex, des, ex, des excellentes chances qu'il parte. Euh, parce que, un, il, y a de la, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de, de monde là, euh, à la défensive, c'est assez évident. Euh, deux, euh, sa dernière année de contrat puis par la suite il y a pas il euh, reste pas dix ans David Savard mais euh, moi je le veux dans mon équipe pour justement entourer les jeunes pour avoir un air d'aller l'année prochaine tu on a établi des standards cette année faut les amener encore la saison prochaine puis continuer à élever le jeu d'un cran je pense que c'est le gars parfait à avoir pour les Canadiens puis ça ça va va être bonne encore l'année prochaine à moins que à moins que, tu sais, est-ce est que ça se tâche là des fois, tu sais, ça, ça casse rapidement? Oui, mais je pense pas que ce gars-là, de la façon qu'il joue, tu c'est pas un gars de, de, de skills, pas un gars là, de vitesse. Donc, la façon qu'il joue, il va apporter le même jeu l'année prochaine dans une équipe qui va aspirer au Grand honneur, j'en suis sûr. OK, Mathieu. Euh, J'accroche sur une chose que tu as dit, OK? Euh, parce que je suis pas d'accord quand tu dis que sa valeur l'année prochaine va être bonne aussi, parce que je pense que sa valeur va être plus basse l'année prochaine que cette année. Mais tu as dit, tantôt, quand tu as parlé que tu voyais qu'il y avait une coche sur Madison. Peux-tu m'expliquer comment tu vois que David Savard a une coche sur Madison? Oui, oui. Je, je, je parle de leadership, je parle de prestance, euh, je parle de... de il, a, il a gagné il a, la façon qu'il s'adresse aux médias, de la façon qu'il qu qu gère euh, les, les jeunes sur le banc, de la façon qu'il... Toute, toute sa présence, on a besoin de ça. Là, on a, on, a, on a laissé partir Monahan. Il euh, faut le remplacer. En vois, tu t'envoies... Tu laisses partir un David Savard, tu ne peux pas le remplacer par un jeune. Oui, pour l'avenir, c'est bon, bon pour le développement, mais ces jeunes-là doivent être supportés. On doit avoir de la viande autour des os. David Savard, c'est ça qu'il représente pour moi. Matheson, des défenseurs offensifs euh, qui patinent bien, tu sais, il y en a. Il y en a. Euh, non, mais c'est un, un bon vétéran. C'est ce un bon, bon coéquipier, mais je comprends ce que tu veux dire, la subtilité, la différence. C'est que Savard est souvent mentionné comme étant comme le coéquipier idéal ou presque, tandis qu'on l'entend peut-être moins souvent pour Madison. Exactement. Ouais. Ouais. Okay. J'adore okay. le fait que tu aies fait une référence avec de la viande puis des os, surtout quand tu parles ouais. à Georges. Ouais, mais, euh... mais euh, <laughs> les gens adorent que tu aies dit le mot prestance. <laughs> euh... <coughs> euh, tu dit prestance? Oui, ça, c'est le mot préféré de Jeff La Légende. Ouais, je le sais, j'ai cru comprendre ça dans les dernières semaines. <laughs> hey, Mathieu, dis pas que tu sais de quoi on fait référence, tu le connais pas, OK? <rire> <rire> hey, les gars, hey, les gars, qu'est-ce que vous savez pas, là? C'est que moi, j'habite à Saint-Philippe et je le vois marcher à tous les jours. NON! <laughs> Arrête <rire> de biaiser! Ben vous le jeu. Ah, oh, il... ben, ta Il marche! Ouais, il marche! On pensait qu'il roulait! Non, non, les gars, come on, là. Non, non, les gars, c'est pas une joke, là. Moi, j'habite à Saint-Philippe, dans la ville de Jeff, la légende. Puis honnêtement, je... oh, qu'est-ce que je comprends, là? On est à deux, trois rues maximum. Oh, ah, là, ben les va quoi. appeler, va se bretel que tu sais c'est qui. Ça, c'est vraiment pas incroyable. bon pour C'est autres, ça. Fait que Mathieu, ça veut dire que tu restes dans une roulotte aussi? <laughs> non, 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 non. Mais euh, c'est vrai que dans, dans le coin, il y en avait beaucoup. Je suis dans un nouveau développement où euh, il y en avait, <laughs> il y avait ça avant mais les plus. Ah, okay. Dis-moi que tu ne joues pas à la balle à Saint-Philippe en plus, là? Non, mais j'habite pas loin du terrain de balle. Ok. Oh, Et que si on a besoin d'aller le chercher, on t'appelle. C'est bon, parfait, pas de pas C'est ça qu'appelle. Jeff, c'est ça qu'il va en appeler Tante. Il doit oh, être tellement le, être content. Le, le monde est petit, hein, les gars. Non, mais attends un peu. Là. Le slogan de Saint-Philippe, c'est tu comme avec prestance ou euh, vous les deux vous l'utilisez Aïe, je ne sais pas. Je, je pense pas que le gars gagnant, c'est un des bols. J'en viens. Hey, as... Le truc c'est on paye cher d'attaque. C'est pas mal ça, tu la hey, En tout cas, je te dis, ça, ça a fait sauter la messagerie texte. Euh... Euh, Jeff, c'est sûr qu'il va appeler tantôt, il va tellement être content. Euh, Mathieu, tu... c'est qui ton, ton grand gagnant de la date limite de transaction? Ben, tu sais. Je pense que c'est assez unanime, là. À Vegas, là, ils ont frappé un, un, des coups de circuit. Ben, des coups de circuit. Ils ont, sont allés chercher le défenseur le plus en demande. Manta, je pense que ça va lui faire du bien. Puis, je pense aussi que ça, c est, c est, c est, je pense c'est un bon fit dans l'équipe. Genre de voir sa relation, euh, par contre, avec Bruce Cassidy. Euh, qui, je sais comment que Manta peut être personnalité. J'ai eu Bruce Cassidy comme entraîneur. Donc, j'en de voir si euh, ça va clasher ou pas. Euh, mais TRTL, c'est immense. Par contre, ce n'est pas parce qu'ils ont gagné euh, la les, le, le marché des transactions que j'ai vois aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est la meilleure équipe sur papier? Absolument. Oui, oui, oui c'est très profond. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait la gagner l'année passée, cette année, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont même pas encore assurés d'être en, en série. Pour moi, c'est le goaltending. Uh, Aiden Hill et Thompson sont pas l'ombre de, ben, Thompson, n'était pas euh, fantastique l'année passée non plus, là, en revenant de sa blessure. Hill n'est pas l'ombre de lui-même, il croche, il n'est pas droit. Donc, euh, tu sais, moi, je crois beaucoup, beaucoup à pas c'est qui le meilleur gardien de but. je regarde pas ça. Je regarde qui qui est hot en rentrant en série éliminatoire. Euh, Floride a gagné aussi. Euh, avec Tarasenko, pour moi, c'est vraiment gros comme elle joue. Colorado, c'est vraiment ball euh, Mais euh, ouais, c'est pas mal mes trois. Mais tu sais, en silence, là, Winnipeg avec Monahan, puis euh, Tofali, euh, on vient de. Tu sais, on a passé un petit peu dans le silence parce que ça faisait longtemps, Monahan. Là, mais c'est deux gros morceaux pareils. C'est vrai que c'est deux gros morceaux. On dirait que je crois pas aux Jets. Pourtant, ils ont l'air de Buck, mais on verra. T'sais, la beauté de la chose, c'est. J'ai vu jouer contre les Canucks. Ils se sont fait laver, ouais. déclasser. Euh, moi, j'adore les Canucks, d'ailleurs. Euh, ce, ce qui me fait peur, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience euh, pour les séries éliminatoires. Lindholm n'a pas encore décollé. Puis Winnipeg a joué son pire match. Euh, comme le coach le dit, là, ils ont joué leur pire match depuis deux ans. Euh, mais tu sais, quand tu as du goaltending comme, euh, comme Hellebuck, quand tu es profond comme leur équipe, je pense que tu peux faire un bout, mais je ne suis pas sûr non plus du, du commitment de certains joueurs à l'attaque, dont Nicolas Ellers. Euh, L'envers de la médaille, ton perdant maintenant de la date limite des transactions? Ben, tu sais, des fois, on, on dit qu'on ne veut pas faire d'échange pour ne pas euh, tout changer. On croit que quest ce qu'on a à la, à la maison, c'est parfait. Ben, les Brooms, ça, c'est un exemple. On aurait dû aller chercher un centre. Moi aussi, je pense qu'on n'est pas assez profond de ce côté-là. On ne l'a pas fait. Maintenant à suivre là, si on va être capable de rivaliser avec les autres formations qui ont bougé. Les Rangers qui sont déjà une, une puissance auraient pu bouger pour aller chercher là, un ailier droit qui pourrait apporter là, plus de punch à l'attaque. Euh, les Kings, les Kings, euh, on... ils manquent un gardien de but numéro un, ça c'est sûr et certain. Il manque peut-être aussi de la profondeur là, sur, je te dirais un quatrième trio euh, de, des Kings. Donc moi ça, ça m'a déçu un peu là, de, de, de la façon qu'ils ont bougé. Là, maintenant que la date limite est terminée, Mathieu, c'est qui ton favori en ce moment pour gagner la coupe? J'avais dit les Hallers, j'aimais beaucoup, beaucoup les Hallers. Euh, si les Hallers étaient allés chercher euh, un défenseur que, qui aurait pu jouer, là, puis pas un shutdown. Tu sais, tantôt, j'ai peut-être tourné. Euh, il disait ah, ça prenait un David Savard shutdown 10 sur une troisième paire. Moi, je pense que ça prenait plus. Un, un défenseur sur une deuxième paire bouger la rondelle pour sortir parce que c'est là je pense qu'on a une lacune à Edmonton de la relance rapide des défenseurs les attaquants c'est pas grave ils bougent, sont en mouvement, ils récupèrent bien des rondelles mais je pense qu'à la défensive là, on a de la misère à la sortir tu sais, si on avait pu remplacer un Cody Ceci pour moi ça aurait été right. merveilleux, si on avait pu avoir Jake Allen comme deuxième gardien de but à Edmonton, ça aussi ça aurait fait du sens parce que j'ai pas très confiance en Skinner euh, ceci étant dit, Floride, pour moi, c'est un... all-in. Absolument. Je pense qu'ils vont passer d'un côté. Euh, J'aime beaucoup les Canucks de l'autre Je sais que c'est euh, un long shot. Si Lynn Home se met à fonctionner, euh, les Canucks sont très, très difficiles à arrêter. En terminant, Mathieu, on en parlait en début d'émission. Le Wild qui a retiré son gardien de but hier en prolongation puis qui marque. Euh, quel risque maintenant qu'on qu sait tout ça? Qu'est-ce que tu penses de la situation? Puis penses-tu que d'autres équipes vont le faire? Puis est-ce que tu connaissais ce règlement-là? Euh, ben premièrement, je l'avais déjà vu en KHL. Hein, si euh, je ne me trompe pas, euh, il c'est Federov qui avait commencé ouais. ça euh, dans ouais. KHL il y a deux ans hein, euh, de mémoire. Euh, je connaissais pas le règlement. C'est drôle parce que euh, hier, on était à TVA Sport, puis j'en ai parlé, puis on était quelques-uns à pas le savoir, pas être au ah ouais. courant. Je l'ai lu là, euh, sur Twitter, c'est Elliot Friedman qui en a parlé. Euh, je trouve que c'est... Euh, le terme, c'est ballsy », ça prend des couronnes. Pour le faire, euh, c'est tout ou rien, là, on s'entend. On dirait que ça ne peut pas arriver mieux qu'un gars comme Marc-André Fleury, que c'est lui qui s'en va au banc... Euh, il y a eu trois passes dans la zone offensive, un lancé sur réception, merci, on s'en va, ramasse les points, je trouve ça merveilleux. Euh, C'est la façon de faire. Écoute, les autres, ils comprennent qu'ils ont besoin de points. Ils enlèvent le gardien de but. Euh, S'ils si, se font marquer, ils n'ont pas les points, mais ils comprennent le risque. C'est Les autres, qui veulent aller jusqu'au bout. Je, je pense que si jamais ça, ça, il y a encore à voir ça, je pense que ça, ça risque d'arriver encore à l'Union nationale. Ça, on a ouvert peut-être une, une porte de Pandore, puis... Tu les gars dans le national, euh, on va dire, hey, c'est peut-être des génies, puis tout ça. Mais regarde tout, les, tout ce qui se passe à chaque année. On, on, on vérifie qui a gagné la Coupe cette année, comment ils ont fait pour se rendre là, quelle sorte d'avantages numériques ils utilisent, quelle sortes de désavantages numériques ils utilisent. Les gars ne veulent pas froisser personne, les assistants coachs. Ils ne veulent pas trop changer les choses. Donc, quand quelqu'un a une idée, puis que ça, ça fonctionne bien, ils veulent tout l'essayer, puis ils veulent dire, ah oh, ouais, nous autres aussi, on fait ça comme ça. On ne veut pas déranger les choses. Lorsqu'un. Un coach porte, tu sais, fait un geste comme ça, ben c'est gros, puis d'après moi, il y en a d'autres qui vont aboiter le pas. Merci Mathieu. Chouen, salut Saint-Philippe, on s'en parle bientôt. Salut saint philippe, hey. <laughs> salut saint -Philippe. <laughs> bonne journée. Salut mec. La prestance. C'est ça qu'il hein. qu appelle. Le slogan de fin saint tu, tu Saint-Philippe. Il doit tellement être fier en ce moment. Ah moi j'espère qu'il était au dépanneur. Ah non, non, non est il est C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a renseigné. Il, ré, il va réécouter l'extrait. Le, mais s'il était au dépanneur, au moins je, le téléphone a sonné, mais il n'a pas répondu. Là. Mais au dépanneur, ils l'ont écouté. Peut-être. Il n'y a pas de cellulaire, c'est pour ça que je dis ça. Il n'y a pas d'onde là-bas. Il n'y a pas d'onde? Je vois qu'il ne rentrait pas pire aujourd'hui, non. Il était peut-être à TVA Sports, c'est ça qui est arrivé. Hein. Alors, on va la pause. Il est encore là. Et au retour, Patrice Bernier revient sur cette éclatante victoire du CF Montréal à Miami. Dieu, Max était là aujourd'hui d'ailleurs. Je pensais qu'il allait encore malade Il a tout laissé là-dessus. Là là. Il a tout laissé. On va en parler avec Pat Bernie qui est avec nous. Salutations, Pat. Comment ça va? Ça va, j'allais dire. Je sais pas s'il a une, une, une commandite de Rico parce que ça voix a tout donné. Hein? Il a tout donné. <laughs> hey, Mais Pat, as justement, ton impression sur taux de victoire du CF sur la route? Écoute, c'était contre toute attente. Personne s'attendait à ce que le CF Montréal gagne. Contre le premier du championnat. Peu importe que Messi euh, n'était pas présent parce qu'on sait euh, qu'ils ont dépensé de l'argent sur eux autres. Belle victoire, 3-2, même que la première mi-temps, ça aurait peut-être pu être été scellé. Euh, mais voilà, chapeau au CF Moral, c'est euh, un excellent départ de saison sur la route. Merci maintenant. Privé de Messi, euh, ça a été une grande déception là, parce que. Mais en même temps, je veux dire le calendrier fait en sorte qu'on a décidé de le reposer. Ouais ben écoute, là je sais que j'ai des amis qui étaient là à Miami, bon Messi est pas là, non, 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 ils sont euh, écoute, je comprends qu'il joue dans la CCL, mais si euh, il y a je t'aurais dit il y a 5 6 ans, il aurait joué le match sans problème, sans hésitation. Là à 36 ans, on le ménage Oublions pas là, ils ont fait une super tournée mondiale là, en pré-saison. En plus, ils jouent aux enchaînes match après-match. Donc euh, Messi ne pas être là Bien, il a mangé un coup jeudi donc et puis Tata Martineau, l'entraîneur l'a mentionné que bien, on a prévu cela au départ de la saison que s'il y avait un match il pouvait avoir du repos ce serait ce match là donc Messi n'a pas participé n'empêche pas que Miami c'est quand même une bonne équipe sur papier ils ont quand même dépensé une vingtaine de millions de dollars pour d'autres joueurs sur leur tête. Là Patrice dans le match Coccaro oui a marqué mais Rapi a marqué trois le but ouvert le donné, là, le premier but ouvert <laughs> c'est pas normal Patrice puis tu sais si le CF avait perdu, on aurait tout parlé de ça. Comment est-ce qu'un attaquant comme ça, quand le goaler fait une bévue, il a le filet ouvert, il y avait juste à lancer puis à remarquer. Comment tu juges cette manque d'opportunité-là? Ben écoute, c'était une grosse, grosse occasion. Puis je suis pas mal sûr que tout le monde qui a vu ça s'est mis la main sur le front. Comment il a fait manquer ça? Ça va peut-être nous coûter le match. Mais à la fin, la beauté, quand tu es attaquant, c'est que même si tu as mis une chance, si tu en mets une dans le, dans, dans le fond, puis c'est surtout celle qui fait gagner l'équipe parce qu'il a marqué le troisième but. Ils ont gagné 3-2. Ça devient le but gagnant. Ben, on ne pense même plus à cette action-là. Mais on va revenir à cette action. Je crois qu'à ce moment-là, franchement, être un attaquant en confiance, je pense qu'il la met du plat du pied de gauche et il la place. Là, ce n'est pas juste ça, la séquence que moi qui m'a tué encore plus. C'est que, OK, je peux comprendre. Il a voulu s'assurer qu'il marque. Il a dribblé. En dribblant les joueurs, mais il a mis à pied Christophe, le défenseur qui était devant lui, le gardien de but Callender, et l'autre défenseur qui était derrière Callender. Le but était vide devant lui. Et il a décidé de tirer du côté où tout le monde était. C'est juste là que je n'ai pas compris. Euh, et ça va vite. Hein. J'ai été joueur. C'est des fractions de secondes. Tu penses, ça vient, tu fais crochet. C'est juste que là, je me dis, s'il lève la tête juste avant de frapper, il tire tout droit, il marque. Mais bon, je l'ai dit, Georges, à la fin, il a manqué quand même deux occasions, mais il a marqué celle qui comptait, 3-2. Et qu'est-ce qu'on parle maintenant? Ben, Kokaro a marqué. Et on préfère mieux un, atta un attaquant qui a des occasions qu'un attaquant ouais. qui n'en a oh. pas. Parce que je sais qu'il y en a eu d'autres que le monde il comparait à, 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 et qui, et qui eux, n'étaient même pas dans la surface payante. Donc, euh, trois occasions, un but, on va le prendre. Il a, marqué, il a marqué ça, au moins l'important. Mais là, Pat, il faut que tu nous parles absolument de ce début de saison complètement fou. Je veux dire, Laurent Courtois, là, on a parlé la route pour le CF Montréal. Tu as 7 points en 3 matchs pour débuter la saison sur la route. Écoute, Gonzo, Josh, l'année passée, combien de points le CF Montréal avait sur la route Combien de points qu'ils ont engrangés sur la route 8 points. Et là, ils en ont 7 en 3 matchs. Puis, on était les premiers, je vous l'ai dit. 6 matchs sur la route, c'est difficile dans MLS. C'est quelque chose, s'ils prennent quatre points dans ces six matchs-là, moi je trouve que c'est bien s'en tirer. Puis là, ils en ont déjà sept. Ils mettent en, en poche des points qui vont être valides pour une fois qu'ils vont commencer à jouer les matchs à domicile. Et surtout vers la fin de la saison, parce que rappelez-vous, l'année dernière, là, ils ont manqué les playoffs par combien? Comme un point. Puis c'est quoi qui est manqué? C'était les sept premiers matchs de la saison, parce que tu avais six matchs sur la route, puis tu avais perdu tous tes matchs. Et à la fin, peut-être cette saison, les séries, s'ils les font. C'est ces points qui ont été mis en poche au départ. Et oublions pas, c'est un record là présentement, au deuxième meilleur record sur la, euh, du, du club en trois matchs. Parce que le record détient en 2013 de sept points, donc deux victoires et un match nul en trois matchs. Donc, Laurent Courtois fait un excellent travail d'avoir mis des structures en place. Puis je vais vous ajouter que c'est pas l'équipe, c'est pas la façon de jouer qu'on s'attendait. Puis je crois que ça, elle va venir. Mais il s'est adapté pour être s'assuré qu'on va chercher les points sur la route. Parce qu'on l'a dit, c'est plus MLS Next Pro là où était dans le développement, c'est chez les professionnels, le résultat compte. Et aller prendre le plus de points possible au départ de la saison, c'est important pour un entraîneur et le moral de ses troupes. Parle-nous maintenant du match de Mathieu Choignard qui se dévoile plus au milieu de terrain. Écoute, franchement, moi, ben, écoute, j'ai connu Mathieu Choignard à l'Académie, donc je sais que c'est un joueur qui, a, qui joue dans l'axe, qui a été formé dans l'axe. Mais le grand public l'a connu du joueur qui a un peu été devenu le couteau suisse, le joueur polyvalent. Et là, les trois derniers matchs, surtout le dernier, je trouve que là, il, il prend ses aisances au milieu. Il prend du volume. Il devient un peu le joueur. C'est lui le joueur qui touche le plus de ballons, qui fait le plus de passes. Et la chance que tu parlais, Georges, que Cocaro rate, mais c'est qui qui fait la passe? C'est ouais. Mathieu Chouagnat. C'est qui qui fait le centre sur le but de Cocaro? C'est Mathieu Chouagnat. Et donc là, on trouve qu'on commence à sa palette d'outils, sa palette de... D'Arsenal de, de, qu'il a, bien, il commence à ressortir de plus en plus qu'il est au milieu, il fait partie de l'action. Et que je pense qu'on n'a pas encore tout vu de Mathieu Choignard, mais euh, voilà, le MVP 2023 démontre que ce n'était pas juste une année euh, chanceuse sur une mauvaise année du club, c'est que lui, il est en nette croissance et il prend de plus en plus de maturité et de leadership sur le terrain. Je le vois pointer du doigt à des joueurs, on le voit, là il commence à devenir un, un cadre très important. Pas juste dans le vestiaire, mais sur le terrain pour le CRMOL. Il y a maintenant en plus son gilet de Messi signé parce qu'il l'a demandé, sa signature. Vous irez voir ah. les images. Euh, Pat, parlant de Messi, je veux dire, il faut que tu nous parles. On n'a pas eu le temps de la dernière fois de ton passage, de ton expérience à Miami. Tu es allé voir Messi. Oui, bon, ben, tu pour ceux qui mes amis qui ont été là et qui ont rappelé Messi, je vais vous dire une chose. C'est un spectacle. Là, on voit, là, on parle des prix des billets ici à Montréal, mais c'est la même chose là-bas. J'ai dû payer 60 dollars pour le stationnement. C'est ridicule. Mais bon, on me dit que Miami, c'est ça la norme. Mais c'est surtout que quand tu es dans le match, moi je suis habitué, là, puis vous allez tous tout, on va voir les Canadiens et compagnie. Le monde, ça bouge pas, ça regarde le match. Mais quand c'est Lionel Messi, le monde, ça monte et descend les escaliers avec leur téléphone, à chaque action qu'il a, de s'approcher. Puis moi, au point que ça me dérangeait parce que je pouvais pas voir le match correctement parce qu'il y a du monde qui passe. Et on clairement, là-bas, le monde vient pour le spectacle qui est Messi et non pas, je pense, pour l'inter-Miami. Juste pour vous dire, hier, quand c'était 3-1 Montréal, mon ami m'a écrit, il m'a dit, les gens équipent le stade. Donc, wow. euh, c'est wow. juste pour dire que à Miami, euh, c'est la Messi League Soccer présentement. Et euh, on vient vraiment pour voir Lionel Messi. Pourtant, ils ont une superbe équipe, hein, parce que ouais. même si on sait qu'ils ont des débats défensifs. Ils ont une belle équipe, mais mon expérience là-bas, c'était, moi, en tant que gars qui aime regarder ça, puis il s'assied, puis regarde l'aspect tactique. Il y a des gens, ils s'en vont prendre des chips pendant le match, puis je te se disent, OK, franchement, ils ne sont pas ici pour le match. Ils sont juste vraiment ici pour prendre leur moment de Lionel Messi au bord du terrain. Donc, euh, mais bon, c'est Miami. Ils sont en ils, euh, ils vendent beaucoup de choses et on fait beaucoup d'argent avec Lionel mmh. Messi présentement. Merci beaucoup. On se repart merci très bientôt. On se repart bientôt. On fait la pause. On jase F1 au retour. Justement, voici les manchettes avec Hugo. Le Canadien était à l'entraînement du côté de Brossard en vue de son affrontement face aux Blue Jackets demain. Yuraï Slavkovski n'a pas participé à la séance pour subir des traitements. Colin White portait un chandail sans contact. C'est Kaylin Primo qui obtiendra le départ demain. Après la pratique, Martin Saint-Louis a discuté du défi qui attend le tandem de gardiens dans l'équipe. Tu veux toujours avoir une, une bataille à l'interne. Je pense que ça, ça, ça pousse les gars. Ça les amène à un autre niveau peut-être. Tu, sais, tu veux toujours essayer d'améliorer la chaise que t'es que dedans. Ça tu sais, soit-tu un gardien, soit un défenseur ou un avant. Faut que tu fasses la job de la chaise que tu mais maintenant, faut, faut pas t'avoir peur d'en peur d'envoler une. Puis, ça fait partie de, de cette ligue-là. C'est compétitif à l'interne, à l'externe. Puis euh, faut que tu sois alerte. Le club a procédé à une transaction mineure. Nathan gary prend la direction du New Jersey en retour d'Arnaud Durando. Quatre matchs dans l'Highland ce soir. Les Blues sont les visiteurs à Boston. Les Devils affrontent les Rangers au Madison Square Garden. Les Capitals rendent visite aux Jets à Winnipeg et les Kings reçoivent les Islanders de Patrick Roy à Los Angeles. Par ailleurs, les Ducks ont annoncé que la saison de Tristan Luno est officiellement terminée. Le Québécois a raté l'entièreté du championnat mondial junior en raison d'un virus auquel il tente toujours de se remettre. Les sénateurs ont annoncé que Josh Norris... Aussi à les rater le reste de la saison à la suite d'une opération à l'épaule. Et finalement, ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL. Russell Wilson signera avec les Steelers de Pittsburgh le contrat est d'un an d'une valeur de 1,2 million de dollars. Baker Mayfield prolonge à Tampa Bay l'entente de trois ans d'une valeur de 116 millions. Kirk Cousins, lui, affirme toujours vouloir tester le marché. Tony Pollard signe pour trois ans avec les Titans du Tennessee et DeAndre Swift s'entend avec les Bears de Chicago pour trois ans et 24 millions de dollars. Salutations à tous ceux qui veulent qu'on parle d'NFL, on vous invite à nous appeler aujourd'hui sur les Parler d'NFL, on va en parler cette semaine, c'est sûr, c'est une journée et une semaine où il y aura beaucoup de nouvelles NFL, mais entre-temps il y avait beaucoup de stocks également en fin de semaine et on accueille notre ami Greg qui est là pour nous parler du Grand Prix du week-end. Comment ça va Greg? Ça va bien vous ça? Très bien. Tu pas de peine parce que tu perds T. Higgins. J'ai pas perdu encore. On t'acquine avec ça plus tantôt. D'ailleurs, il reste ton club à faire quelque chose en division. Ben déjà là de signer Justin Maddow-BK pour plusieurs saisons, c'était ce qu'il fallait qu'on fasse. Pour le reste, est-ce qu'on va ramener au BJ ou non? Tu ne gagneras jamais avec la merde. Derrick Henry? Là, Tony Pollard de Také Titan. Grosse rumeur de Derrick Henry à Baltimore, mon George. oui, la merde va moins courir. tu devenais un fan des Steelers à cause de Russell Wilson? Non. On serait tous dans la même division. Ça serait fou, hein. Les trois dans la même division. Mais les Steelers vont finir devant les, euh, les Bengals. Pas sûr que ça y va bien, moi, ces couleurs-là. Les ouais. Steelers vont finir devant. Ok, je pensais que tu allais dire que les Steelers allaient finir devant les Ravens. Là, je m'en allais sortir la phrase euh, la phrase classique. Euh, euh, légendaire de Georges Lorac. Soupé. Shandy, big. J'ai demandé qu'on dit au Shandai. Il, il évalue l'état de T. Higgins avant. Si Higgins s'en va, euh, je... je sens que ça va être un peu difficile cette année encore. Je pense que peu importe quoi, les Bengals vont finir devant les Steelers. Même sans Higgins? Même sans Higgins. Les Steelers. L'année passée, ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de QB, oublie pas. Il n'y avait pas de QB pas pas l'an passé. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de QB l'an passé. J'en ai bien. Voyons pas. Non, non, non. Hey, je vais pas gager Steelers. <laughs> il gage <laughs> en division <laughs> avec deux pas, équipes. C'est qu toi qui as amené les... le sujet en plus. Je suis certain certaine, les Ravens gagnent la division quand même. Probablement. Pour le moment, je suis, euh, suis d'accord. Quoique euh, Faut pas sortir les bruns trop rapidement, les gars. Ah, ça, c'est l'équipe dont je ne parle jamais. On n'en parle jamais. Je veux dire pareil. Ouais. Poursuivons. On fait, parle de quoi? <laughs> quand on parle des dernières choses, quand on parle des bruns, on parle d'un corps à que j'aime moins que la merde. Oui. Mais ben, j'espère, George. Sinon, il euh, faudrait qu'on se parle à micro-fermé. <laughs> <laughs> Le Greg, tu sais comment que j'aime pas les Red Bull. Euh, pour plein de raisons. J'aime pas Verstappen, j'aime pas Hunter, j'aime pas cette écurie-là, j'aime rien de, de cette écurie-là, mais faut admettre pareil qu'ils sont invatables cette saison. Puis À la deuxième course de l'année, il n'y a plus de Grand Prix c'est terminé. Faut faire attention. Oui, mais le circuit de, de Jeddah, c'est un circuit à 80% du temps, t'as le pied dans le fond. C'est un circuit ultra rapide avec des virages rapides. Alors, on le sait sur la vitesse pure que les Red Bull sont intouchables. Là où est-ce que c'est difficile, c'est à quel point les motorisations Mercedes n'ont pas été capables de compétitionner. Et là, tu as, as Toto Wolf qui a parlé d'un problème avec le simulateur. Donc, le, les données qu'on a dans le simulateur ne concordent pas avec ce qu'on a sur la piste. Euh, ça ne se traduit pas du tout en piste. Donc, on se dit, on n'a pas les bonnes données dans le simulateur, ce qui ne ce fonctionne pas du tout. Euh, je pense que sur d'autres circuits, on aura des compétitions plus serrées. Mais à Jeddah en fin de semaine, effectivement, la domination des Red Bull. Je pense sais pas si vous avez regardé à un certain moment donné, Lando Norris qui menait le Grand Prix parce que lui ne s'est pas arrêté sur le drapeau jaune et il a réussi à retenir Max pendant quelques tours. Et quand Max a pu s'approcher euh, à, à une seconde, donc à l'intérieur de la seconde, et que Lando a dû activer, on a activé le DRS entre les deux voitures, euh, Max est passé à côté, vous irez voir cette vidéo-là, 33 km à l'heure de plus. Il n'y a rien à faire pour te défendre dans, dans, dans la vitesse peur et surtout sous le DRS. Euh, on ne changera pas la réglementation cette saison, mais moi, si j'avais à changer quelque chose pour augmenter le spectacle, je réduirais les ondes de DRS ou j'enlèverais ça simplement. Je sais que ça n'arrivera pas, mm -hmm. mais la, la Red Bull est conçue pour fonctionner à plein régime là-dessus et euh, sont, sont simplement imbattables. Donc, euh, c'est la démonstration qu'on a eue ce, ce, cette fin de semaine. Est-ce qu'on a eu. Des belles histoires à raconter quand même. Oui. Je, moi, je, je suis persuadé que oui. Moi, j'ai eu du plaisir à regarder ce course-là quand même et je, je pense qu'on va avoir du plaisir quand même cette saison également. Bon, euh, la semaine dernière, tu es venu nous parler de ce genre de roman savon, au début de roman savon Hop. aussi avec Horner et tout le reste. Euh, Est-ce qu'il y a eu un peu des avancées également sur ce qui, est, euh, qui a été dit Parce que bon, il a été questionné là-dessus aussi au cours du week-end et il a répondu. Ben, Vendredi, on ne s'est pas parlé parce que c'était la date limite euh, des transactions, mais vendredi, il y a eu des rumeurs qui sont sorties des, des, des paddocks en disant que Helmut Marcos, ce, ce fameux dirigeant chez Red Bull, euh, serait suspendu parce que c'est lui qui aurait envoyé aux médias les fameuses preuves ou de l'information. Donc les journalistes appelaient et Helmut répondait tout le temps. Euh, alors on l'a fait venir au bureau de Red Bull et les grosses rumeurs étaient que soit on le suspend ou qu'il sera congédié. Et euh, Helmut disait lui-même dans les médias Je vais aller voir c'est quoi la rencontre et moi je vais aller décider si je vais continuer ma carrière ici. Mais là, ce qui a tout changé, c'est qu'on est allé voir Max. Les, les médias là, en Formule 1 se cachent pas pour poser ben, pose les, les des vraies questions. questions. Il n'y a, a pas Alright. de feutré. Et ce, même ceux qui ont les droits là, posent les vraies questions, aux autres, et il n'y a aucun, aucun filtre. Tu es allé voir Max et on dit Si Helmut s'en va suite à la rencontre de demain, Qu'est-ce qui arrive avec toi? Il a répondu du tac au tac. J'ai toujours dit qu'Helmut était très important pour moi et pour mon parcours ici. Si Helmut n'est plus là, moi j'ai pas de raison de continuer avec Red. Bull. No way! Oui. Alors vendredi soir, j'étais avec Max Lalonde, je lis tout ça, je dis Max en va chez Mercedes, c'est sûr et certain. Et Wolff qui en a rajouté, qui a dit hey, nous, Helmut, on le prend demain matin. Ah oui, mais c'est sûr, il y a, 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 a les trophées, le Colin. Et tout ça, il dit, Depuis la perte de Nikki Loda, on aurait besoin d'une présence comme lui et tout ça. Et finalement, le lendemain, suite à cette rencontre avec euh, yeah. Minslaf et tous les autres dirigeants de Red Bull, on a décidé qu'on laissait yeah, l'emploi. Yeah, yeah. à... <laughs> et, et suite à ça, ce qui est arrivé hier, ce qui est sorti, ce serait qu'il y aurait une autre poussée qui se, se ferait des rencontres. Pour relever Christian Horner ouais. et ses fonctions suite à oh, tout ça. Wow. Moi, je pense que c'est dit... ce qui va arriver pour vrai, les gars. Là, la pression elle commence à être forte. Hein. Mais moi, wow. la question, c'est comment tu peux laisser ce monde-là à travailler ensemble et à se dire après ça dans les médias, nous sommes unis pour aller gagner des courses tout le monde ensemble. Alors qu'on ouais, sait Oui, c'est Warner dire... qui dit ça parce qu'il n'y a pas le choix de dire ça, mais en même temps, non, non, gagnent, les, les représentants l'équipe média ouais. de Red Bull, tout le monde dit ça. Mais là, tu vois clairement qu'il y a un jeu de pouvoir qui se fait dans cette écurie-là. Et il euh, y, y avait même des très, très, très fortes rumeurs, des, des médias allemands, des médias anglais hier qui rapportaient cette nouvelle-là comme quoi que, avant le Grand Prix d'Australie, Christian Horner serait relevé de ses fonctions. Mais euh, tout ça se décide. Là. Encore une fois, les gars, ça fait deux semaines de suite que je viens vous voir un lundi, que je vous dis que je rafraîchis mon Twitter comme si c'était une. Euh, J'aimerais savoir des, des, des sources directement là-bas chez Red Bull. Malheureusement, je n'ai pas. Mais euh, ça sera à suivre, c'est certain. Hey, quand c'est rendu, ça, c'est un petit commentaire là. Que, étant donné qu'il n'y a pas de championnat des, des pilotes cette année parce qu'on sait que Red Bull va gagner, quand c'est rendu que c'est ces nouvelles-là qui font plus la une, qui sont plus intéressantes que les courses même parce que c'est déjà gagné, ça montre à quel point euh, cette saison-ci, ça va être... Mais non, attends, là, les contrats vont commencer à sortir ouais. aussi. Là. Qui s'en va remplacer l'effet domino? Euh, qui s'en va remplacer Lewis chez, chez Mercedes? Euh, qui on signe pour l'an prochain? Alonso, est-ce qu'il reste? S'il reste, s'en va où? Si Max s'en va chez Mercedes, qui s'en va chez Red Bull? Euh, tout ça va, va, va continuer de, 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 toute, toute la saison. Là. Ça va être en tout cas les caméras de Netflix, eux autres. Euh, drama. Ils pourraient, faire, ouais. euh, ils pourraient faire un drive to survive euh, pour un, des épisodes à l'année longue, je vous garantis. Là, Greg, Mercedes disait qu'il était rendu. Là. On avait trouvé le problème, puis là, qu'il soit plus rapide. Là, maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le vrai problème de Mercedes? Il ben, y a eu le, le, le simulateur notamment. Euh, la première semaine, on a eu de la difficulté à, à refroidir les moteurs. Mais là, cette semaine, ça a été difficile. Ce pas mal L'écurie qui fait mieux, c'est McLaren actuellement. Euh, les Aston Martin n'étaient pas du tout, mais pas du tout dans le coup. Euh, Fernando Alonso, qui habituellement a, le, a le, le, le titre de ministère de la Défense, c'est exce excessivement difficile de dépasser Alonso, ne se bat même pas. Euh, alors. Le vrai problème de l'écurie Mercedes en soi, celle de Lewis Hamilton de George Russell, semble être au niveau du simulateur. Les autres, euh, on se pose beaucoup de questions sur l'aérodynamique et surtout sur le refroidissement du moteur euh, qu'on semble avoir gardé euh, sous, euh, sous, sous contrôle en fin de semaine. Mais euh, les, les, les motorisations Mercedes, c'est très, très difficile. Puis, on ne s'attendait pas à ça en début de saison. Alors, euh, ta question, George, c'est celle de l'écurie de Lewis Hamilton définitivement ce que je vous disais plus tôt. Mais pour les autres, ça semble être un problème. Un avion qu'on construit en plein vol, puis d'ajuster. Moi, je suis content de voir les deux jeunes pilotes de chez McLaren bien faire de cette façon-là. Euh, C'est très intéressant à suivre. Puis, on dirait qu'ils ils, ils ont tendance à prendre la place numéro 3 là, derrière Ferrari. Là. Tu parles de jeunes. Tu as parlé de belle histoire en fin de semaine. Comment passer à côté de cette belle histoire-là qui euh, est un résultat d'une crise d'appendicite? <laughs> ben oui, C'est pas croyable ça. Carlos Sainz qui doit déclarer forfait du Grand Prix avec sa Ferrari ce, ce week-end, euh, appendicite, finalement tout est correct, il a tweeté lui-même l'hôpital, les photos, tout est beau. Ah, C'est ouais. pas long, moi je de... sortais le lendemain, mais ça de être je suis sorti le lendemain. devrait là. être de retour pour l'Australie d'ailleurs, <laughs> mais euh, Olivier Berman arrive dans sa Ferrari, euh, imagine un instant, là. Là, il se qualifie 11e et rentre dans les points avec, avec sa Ferrari. C'était sa plus longue course en carrière. Et la plus difficile d'ailleurs. Il a dit, après, les, a, après euh, le, le Grand Prix, les caméras sont arrivées, les questions. Il a dit Comment tu te sens, il dit Je suis exténué. T'sais, imaginez, il, il y avait un côté, moi je ne l'ai pas vu, c'est Pag qui m'a raconté ça pour l'épisode de, de peignes qui va sortir tantôt. Il y avait un côté de son euh, de son fameux appui pour sa tête qui est complètement démoli parce qu'il n'était pas assez entraîné pour retenir la forgée avec ben sa non. tête. Oui. Alors. Euh, c'est incroyable. Et, et de le voir euh, bien performer de cette façon-là, moi, je, je comptais sur le fait que euh, son inexpérience dans un circuit comme ça, à haute vitesse, un circuit technique, euh, allait, je veux dire, après quelques tours, bon, il allait se faire dépasser et tout ça, mais non, il était devant et on l'entendait à la fin de la course, il avait entendu les messages radio, « Lando est où? Hein? » Hamilton est à <laughs> combien de temps Imagine le feeling, t'es assis dans une Ferrari, t'es un le premier pilote depuis 1972 à faire un, un début en Formule 1 avec l'écurie de Ferrari, le troisième plus jeune de l'histoire. Et là, tu demandes à ton ingénieur, hey, Lewis est à combien de temps en arrière de moi <laughs> C'est juste capoté. Et il y a eu le, le, le titre de driver of the day finalement avec les fans qui ont pu aller voter. Euh, ça a été tout à son honneur. Est-ce que ça lui garantit une excellente carrière Je veux dire. George Russell a failli gagner dans sa première course avec Mercedes. Il y avait quand même une voiture ultra rapide. Euh, je ne sais pas, mais c'est bon de voir des jeunes talents qui arrivent. Moi, ça me fait poser la question. On a refusé qu'Andretti arrive en F1 il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'on ne voulait pas diluer ou quoi que ce soit. Je pense qu'avec deux autres écuries, avec quatre pilotes, si tu, tu rajoutes des, des jeunes de talent comme ça, le produit ne serait pas dilué Puis on aurait encore plus de belles histoires comme ça à raconter. Là, à défaut de parler d'une belle histoire, encore un. Euh... Grand prêt à oublier pour Lance. Euh, as tu as-tu lancé la serviette sur lui? Ça commence à être difficile de le défendre. Puis moi, J'ai toujours été optimiste dans le cas de Lance. L'an dernier, il n'a pas eu un bon début de saison quand la voiture était rapide parce qu'il s'était fracturé deux poignets et une cheville. Et encore une fois, les gars, je vous le dis, fracture les deux poignets, demande-moi même pas de faire... <laughs> Je chauffe même pas ma voiture dans les rues de Montréal. Là, Alors d'aller piloter une Formule 1, c'était pas évident. À un certain moment donné, rappelez-vous, il a même fallu le sortir de la voiture, il n'était pas capable de sortir par lui-même. Donc, chapeau pour son courage à ce moment-là. Puis quand il a commencé à récupérer de ces blessures-là, euh, la voiture était moins bonne. Et il a connu une bonne fin de saison. Là, en ce début de saison, il a connu une bonne première course. Mais là, cette fois-ci... Euh, une erreur, de, une erreur de pilotage qui a fait, oui, je comprends que ce virage-là est très technique, c'est difficile d'aller chercher le point de corde, mais rentrer directement dans le mur, démolir sa voiture, euh, je veux dire, c'est un petit peu impardonnable euh, à, à ce moment-là. Commence à avoir de la difficulté à défendre, à défendre Lance, malheureusement, surtout quand ton coéquipier finit cinquième dans cette course-là. Euh, et la première chose que tu dois faire, c'est battre ton coéquipier en Formule 1. C'est bien connu. Là, tu veux battre ton coéquipier, sinon, tu as de l'air moins bon dans, ouais, dans ouais. la même machine. T'sais, regardez ce qu'on dit de Sergio Perez actuellement. Donc, euh, je ne sais pas. Est-ce que je lance la serviette? Non. Mais il va falloir qu'il démontre beaucoup plus de constance parce que je ne sais pas pendant combien de temps on va être patient avec Lance, qui est déjà à quoi? Sa sixième saison en Formule 1, septième. Ah ouais. ça, ça fait longtemps qu'il est là. Alors, t'es patient, euh, Greg. Arrête, non, ça serviette, là. il est pas gare de laisser aller. Tendance à être patient, Arrage et optimiste, physique. mon avis. C'est vrai, c'est vrai. Merci, vraiment. Greg. Toujours le plaisir de autres, te les parler. L'épingle, l'épingle, qui euh, devrait être disponible dans les prochaines heures, partout euh, sur la commission athlétique euh, YouTube, euh, euh, Facebook, euh, Instagram. T'es euh, notre junior, le meilleur au monde. C'est un très beau compliment que tu me fais, genre j'ai de la misère à l'accepter. C'est un compliment pour lui. Ah, non. <rire> <rire> Bon, okay. c'est. Là, Mesdames et Messieurs, on a hâte de vous entendre parce que là, dans, dans le football, ceux qui veulent parler de la NFL, là, Josh Jacob est rendu avec les Packers. qu'il y en a qui vont être contents de ça. Si vous voulez parler de football, on est là, on va vous écouter, moi, ben et Gonzo. Pas de sens. Ça. Mais surtout, selon vous, qui est le gagnant perdant de la date limite des transactions? Et comment vous réagissez au fait que David Savard est encore membre du Canadien de Montréal 5h4019 sur le On a hâte de vous entendre au retour de la pause. À En tout cas, on a hâte de vous entendre parce que la NFL en ce moment, ils en il s'en passe des mouvements. Beaucoup. Fait qu'avec votre équipe respective, ce que vous êtes contents? Est-ce que maintenant, de ce que votre équipe a fait? Puis j'imagine, qu'il y a des fans des bruns, ils vont vous rappeler, pouvoir en parler. Euh, on a hâte de vous entendre par rapport à ça. Puis euh, je sais qu'Éric, Parent, avec l'ajout de Josh Jacob avec les Packers, Gonzo. Hey, Jacobs avec les Packers, est... On est, ou pas qu'on a ri des Packers l'année passée, mais Gonzo, les Packers, euh, quand ils ont fini l'année, puis tout, là, tu rajoutes un morceau. Très jeune. Mais là, de David, il pas non plus. Mais un Jones il est là. Fait que là, ouais. je en arrière, Gonzo, ça va bien, là. C'est solide, là. Tony Pollard, trois ans avec les Titans. Puis en plus, ou pas, les Packers, juste pour l'équipe, c'était l'équipe la plus jeune ouais. de la NFL. Les ils grandissent ensemble. Fait que. Il y a eu, non, mais il y a eu du gros contrat, C'est pas encore officialisé, là. Mais les Bears, DeAndre Swift, 3 ans. Les Jaguars, 3 ans. Et Gabe Davis, l'ancien des, des Bills. Et également, les Titans avec Tony Pollard. Fait que là, Derrick Henry va ça. C'est l'effet domino des porteurs de ballon. Là. Sauf que je sais pas pourquoi Pollard était avec les Titans, par exemple. Un peu et spécial. Un des membres porteurs de la Ligue, pourquoi tu vas avec les titans? Et à travers tout ça, Higgins qui demande une transaction. Les titans, ça vont nulle part. Fait que à ceux qui veulent parler de l'NFL, à 5 h 45 ça 11h09, puis on vous demande aussi par rapport à la date et mise de la Ligue nationale, la semaine passée, vos gagnants et votre perdant. Puis David Savard qui reste là, comment vous réagissez par rapport à ça? Puis d'autres chez dans le monde du sport, on est ouvert, mais avec quoi on commence, Ben? On ouvre avec Marty. Salut Marty. Salut, Marty. Salut Marty. Salut les boys, comment ça va? Ça va très, très bien, bien. toi? toi? Ah bien, je m'en viens rafraîchir le, le Twitter un peu à Greg là. Euh, Ça fait plusieurs heures qu'il y a un, un porte-parole de Red Bull qui a communiqué l'information comme quoi la rumeur était fausse pour le congédiment. Euh, comme quoi qu'il y avait en pleinement encore le soutien des deux propriétaires. Donc, euh, c'est ça. Fait que pour l'instant, euh, c'est encore une rumeur qui vient de la part des médias allemands. Mais de On quel, quel que congédiment, tu parles Mais euh, Chez Red de Bull. Non, non, mais il n'y a pas, Greg a pas dit qu'il y avait un congédiment. Il a que le dossier juste dit que le dossier est encore ouvert, mais il n'y a personne qui a parlé des congédiements, Marie. Non, c'est les médias allemands ben, qui continuent la rumeur comme quoi que d'ici le Grand Prix d'Australie perdrait son poste. c'est ça qu'ils parlait tantôt. Euh, c'est pour ça que les Red Bulls s'est dépêchés de, 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 de démentir la rumeur, là, dans le fond, de euh, réaffirmer le soutien vers Christian Horner. Euh, comment je pourrais dire? C'est euh, sûr que faut toujours pas oublier que les médias allemands, ben qui, c'est leur fleuron à eux à hein, Mercedes euh, ouais. qui se bat par une compagnie de boissons énergisantes depuis plusieurs <laughs> années. C'est sûr qu'il <laughs> qu y a toujours. Euh, il y a eu beaucoup de mésinformations dans le dossier depuis le début là, de leur part. Là, où, on avait mentionné au départ que Christian Horner avait refusé de, de démissionner. Finalement, euh, il a jamais, on lui a jamais demandé de démissionner parce que si on voudrait le foutre à la porte, on pourrait. C'est pas un actionnaire, c'est rien. C'est simplement le PDG de la compagnie. Donc euh, c'est un employé, donc si on veut le mettre à la porte, on l'aurait mis plus longtemps. Là. Imagine. C'est un peu ça, c'est un peu ça qui se passe de toute façon. C'est un dossier qui reste à suivre. On sait qu'il y avoir des développements à toutes les heures, mais pour ouais. l'instant, je trouve que le fait que Red Bull s'est de dépêché d'envoyer de, un porte-parole pour dire qu'il y avait toujours la, la pleine confiance des, des propriétaires, ben, je pense pas qu'on aurait fait ça si jamais on avait l'intention de le mettre dehors euh, dans les... Ouais. À ici, le, le Grand Prix d'Australie. Ben, merci beaucoup, Marlene. Merci, Marlene. Bonne semaine. Vous, bonne semaine. Bonne semaine, les boys. Bonne semaine. Bonne 514 790 0919 euh, Je sais, il y en a plusieurs qui. On rappelle les, ton gagnant. Ton gagnant était Vegas. Mon gagnant était Colorado. Ton perdant était Boston. Boston et mon perdant a été les Kings de Los Angeles également. Ouais. Euh, alors, vous pouvez y aller de votre gagnant, votre perdant à la date limite. Vous pouvez revenir également sur le Canadien de Montréal. Euh, Jake Allen, le ménage à trois s'est terminé. Ou sinon, votre réaction suite au fait que David Savard soit encore un Canadien de Montréal. Avec Renaud, salut Salut, salut Renaud. Renaud Hey, bonjour Comment hey, ça, comment va, ça va, Renaud Ça va bien Ça, yes, ça va, va bien, toi Ça va super bien. Hey, Georges, moi, je pour calmer les, les insécurités de Georges au sujet du, euh, du rang de repêchage. Là. George, prends pas la rester calme, là. je pense qu'on a du stock en masse pour s'avancer au repêchage aller chercher le voir qu'on veut là. Que non, mais... non mais, c'est ce que... pas une insécurité, ce que je suis en train de dire c'est que cette année le repêchage est tellement solide qu'il faut qu'on repêche dans les cinq premiers puis, puis en ce oui. moment les victoires, Puis là c'est carré qu'on a parlé tantôt que les victoires, les équipes qui se battent avec nous pour le boulier gagnent aussi tant mieux. Mais c'est juste que si tu veux reculer là, comme tu penses, ça va, ça sera pas si facile que ça, là. parce que les joueurs qui sont là, c'est des c'est vraiment, c'est tellement des bons prospects. Regarde l'année passée, le la meilleur exemple, euh, euh, Big, euh, les Flyers ont essayé de reculer pour aller chercher Mitch Kov. Finalement, ils l'ont eu, ont été chanceux, mais ils n'ont pas pu parce que les équipes, les voulaient tellement les prospects qui étaient là que tu ne pouvais pas. Fait pense pas que si le Canadien termine à l'extérieur du top 5, qu'ils vont être capables de reculer facilement de même pour aller dans le top 5. Mais la différence cette année, c'est que des défenseurs. Donc là, est-ce que les équipes qui sont devant le Canadien prennent des défenseurs, ce qui pourrait peut-être avantager le CH et, leur besoin leurs besoins en attaque? Hey, moi, t'es te, un directeur général, là, puis euh, t'es... On jase, OK, là? Euh, je t'offre, là, mes deux choix... Deux, trois premiers choix au repêchage. OK? OK? Ouais. Plus Lane Hudson. Okay. Plus Lane Hudson. Ouais. OK? Pour le premier overall. Tu fais quoi? Mais là, c'est trop, ça, par exemple, Big. Pense à ça deux ben, secondes. Oh, non, 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 non. non. Donné, quand tu veux avoir quelque chose, là... Mais tu non, mais que oui, 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 mais attends... Trop... Trois choix première ronde, l'Inde Hudson pour le premier au total de cette ouais. année, c'est trop big, come on. T'es-tu dans la famille Celebrini puis on ne sait pas, Renaud? C'est trop, Renaud, c'est ah, trop. non, non. C'est trop. Celebrini, Célébr... je le vois jouer, moi, je, je le vois. Toutes ces games sont à la télé pratiquement, là. Oui, mais, mais tu veux qu'il joue avec Hudson? Tu trois... veux pas trois... le trader Hudson? Non, mais Renaud? trois choix première ronde et Hudson, c'est ben trop, là. Hudson, oublie ça, là. Hudson, là, regarde, euh... moi, garde. Moi, à gauche, le mon avenir du Canadien, là, c'est euh... Goulet. Euh, Strovo puis Jaccaï. À droite, c'est Renbacker Mayu, pis qui euh, si tu veux, Kovacevic, de toute façon. Puis même ça, ces joueurs-là, même eux autres, ils ne pourront pas tous les garder. Ouais, non, mais comprends, je euh... comprends. Mais tu donnes les deux derniers choix qu'ils ont, 26e, 27e, ah, ben là, là, à peu ben près. Là. Ils vont dire euh... non, ouais, on... ouais, ouais. 26e, OK. Ah non, deux choix, 26-27 ben pour Celebrini c'est sûr que là, tu pourras pas. non, plus, le premier choix, plus cette premier de cette là. Ah ton choix top 5, les deux autres choix première ronde puis Hudson c'est trop, Big c'est trop. Oui 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 c'est sûr. Non non c'est pas trop. Moi je à jamais ni là. T'as-tu un PlayStation à maison Renaud Non mais Renaud c'est trop c'est trop. Non 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 c'est pas grave. C'est sûr qu'ils le font. Si tu donnes tout ça là, si tu donnes tout ça c'est sûr que l'équipe tu l'arrêtes en celebrating si tu donnes tout ça. Mais... Ça n'est pas prouvé. Là. Celebrity, ça va être un. C'est quasiment un générationnel, Celebrity. Hein? Non, a... il est ouais, le Celebrity. Canadien... Le Canadien Arrêtez doit gagner la loterie s'il veut repêcher Celebrity. That's it. Ben, moi, j'irais par via d'échange. Je... je viderais pour aller le chercher. Ouais, je comprends. <laughs> ouais. C'est quand la dernière fois qu'on a échangé Renault <laughs> un premier show total? Ouais? Ben non, mais tu me dis que, que c'est trop. Si oh, c'est trop. trop, ils vont accepter. Ça fait 20 ans euh, au moins. C'est un switch. En fait, c'est si tu trouves, c'est pas trop. Tu me dis que c'est trop. Ce que non, tu mais donnes. ouais, c'est. Ouais, non, c'est trop, c'est trop. Si, si c'est trop, tu dis oui. Non, si tu donnes tout ça, <laughs> eux vont dire oui. <laughs> mais le <tu>, Canadien ne <laughs> peut pas donner tout ça. Un uh, top 5, ben deux choix première ronde tardif et Hudson. Ils vont faire, ils vont, ils vont faire quoi avec tous ces joueurs-là, de toute façon? Non, non, ils vont non, non ils, ils vont. non, mais ils vont les transiger, ces choix-là, t'as raison. Mais donner tout ce package-là pour Celebrity, c'est que c'est un peu trop un petit peu, peu trop. Moi, je le donne, moi, 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 je le donnerais. Ton premier trio qui est là, t'aurais Dark euh, avec euh, Celebrini puis euh, euh, Joshua Roy qui va devenir un très bon joueur de hockey. Tu commences avec un New hope tu es une très troisième, plus une solide défensive. C'est assez pour moi. que Renault, va gagner, le Norris, là? Si le, ca le Canadien gagne la loterie, Renault, on t'invite. Tu viendras célébrer avec nous autres, OK? Au social, tournez sur Gonzo Gonzo, paye la traite. Tant ah non, mais on adorait okay. voir célébrer avec la gazette. Gonzo pense à son offre et réponds demain. Okay. Okay, Gonzo hey, va, va y penser puis il te répond demain. Salut Renaud, faut y aller. Salut Renaud. Les gars, Kirk Cousins. Oh! Pense à son offre. Kirk Cousins aurait accepté un contrat de plusieurs saisons avec les Faucons. Ah oh, ouais? Ouais. Avec des Faucons. Un contrat de quatre ans. Quatre ans? Avec les faucons pour Kirk Cousins, right, bon, like les, fa les faucons vont être bons. Mais avec lui, ils vont être bons. Correct. Non, non ils vont être bons. Je il est bon. Kirk Cousins. Cousins. Non, mais il est bon. Il est Kirk bon Cousins. pour amener son équipe en éliminatoire. Après ça, c'est pouet, 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 pouet. C'est ça, Kirk Cousins. Kirk Cousins. Comme et Jalen Hurts, pouet, pouet. pouet, pouet. <laughs> tu l'as tellement bien fait. On dirait que tu avais ton équipe dans les yeux, Ben, quand tu l'as dit. <laughs> mais oh, Renault a bien. lancé un nouveau slogan. Hein? Se vider pour Celebrini. Non mais, non, mais Gonzo va venir. Non, mais. Non, non! Gonzo va venir célébrer-ni avec nous au social. Ouais. En fait, je l'ai fait au passage, OK? Quand je l'ai Ah, oh, ça, c'est un 8. c'est un 8. Tant, tant, tant. Je vais dire que quoi? Je l'ai dit à Renaud et tu l'as même pas. Je me, suis... ah, tu fait? je me suis entendu le dire, mais j'ai fait. Fait qu'il ne réagisse pas. Fait qu'il a Tu avais, qu avais fait ça? Non, on ne l'a même pas entendu. J'ai dit: si le Canadien gagne la loterie, on va célébrer. J'ai dit. On va s'élever. Mais, mais, mais là, je me suis dit, ah non, non, il ne faut pas qu'il relève. Oh, okay, okay, non, non, okay. non, non, non. Tu non, voulais, non, tu glèles. Non, non, j'ai pas voulu, c'était involontaire. 8 okay, sur 10. Moi, ça leur donne 8. Là. Hey, bon. 8. 8. Hey, 8. Bon. Un petit 7. Tu l'as reçu. Il est, il est toujours, se... il est toujours <laughs> en dessous de mes notes. C'est mon personnage. <laughs> C'est ton personnage. <laughs> Salut, Joe. Salut, Joe. Ah. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Et toi, t'as pas l'air à bien aller, Joe? <laughs> ah, ben là, j'ai <laughs> envie de vous faire de la photo. Il y moi je voulais parler des Islanders de New York que je comprends pas qui ont rien fait. Juste pour donner un peu d'espoir à l'équipe euh, avec depuis cette game. Si un gars j'aurais bien vu là, ben c'est ça va, justement. Tony dit la même affaire, si midi, rien aimé ça va savoir avec les Islanders. Ah, je l'ai manqué, je vais au walker. Mais je comprends pas. Ça aurait donné une vibe dans l'équipe, savoir que la direction voulait faire un move. Juste pour avancer, je sais qu'ils vont pas gagner à cause de l'année cette année, mais. C'est un bel in Progress. En deux, trois ans, ça va être dangereux, cette équipe-là. Ouais. Non, mais en même temps, puis en plus, ça aurait aidé le Canadien à boulier. Si, si tu échanges Savard, ça Savard est si bon que ça avec les jeunes, ça veut dire coup. que parles un peu, tu pars un peu plus de game. fait que c'est parfait, non? Non, c'est pas trop comme idée non plus, mais euh, quand je l'aime Savard, je, je l'aime très bien à Montréal, juste, dès que je l'aurais bien vu à New York dans le système à Patrick. Puis il y en a qui joue, c'est un gars qui sacrifie pour l'équipe. C'est tout un plus un dans le processus, que je vous l'ai mentionné. Mais Joe, es-tu fan des Highlanders ou t'es fan du Canadien? Ben, moi, je suis fan de Parti Carrois, je pense. Ah, OK, ouais. Non, ah. moi, je suis un fan de hockey. Euh, regarde, euh, J'étais un pro-highlander depuis 4-5 ans, moi aussi. Euh, je travaille dans la région d'Edmonton, aussi l'hiver. Fait que, tu regarde, euh, ça, va faire, ça va être une méchante série, ces Punk Vegas cette année. Euh, ça va être incroyable. Je pense que la Coupe Stanley, ça me fait penser les Bills contre les Chiefs avant la Grosse Super Bowl. Vegas, Sun, Mountain cette année, et Mountain devrait passer. Ces gros-là de Vegas ne devient pas exceptionnel comme l'année passée, mais euh, ça va être incroyable. Ça va être très qu... très oh. et, tu sais comment on est tight, tu dis que ils va passer. Moi, plutôt, on est tight On va te voir dans l'avion, c'est sûr que je vais être là. Je ah, vais pas tu vas me aussi. Hey mais Gonzo, on y va tout, toute la gang, on y va, là. Ouais, mais, gang, tu vas mais, le voir, va Il va y aller seulement à Vegas. Là. Moi, je suis pas millionnaire. là, <laughs> là ben Gonzo, euh, il va venir. Ben va venir. Tout le monde vient pour vous dire millionnaire pour aller voir les Hollers, big. On va se voir là-bas, okay. Joe. Ouais. Là on va essayer d'avoir ton escompte avec Air Canada. On va aller faire un tour. Sinon, on va pogner Flair à Vancouver on va remonter à Edmonton. Super, Vegas. Merci, Joe. OK, salut, les gars. Ben, bon quand même salut, fou pareil. Là. Mettons, maintenant, j'ai pas le goût de voir Edmonton Vegas en première ronde. Non, mais c'est tellement mauvais comment c'est comment fait. Tu sais, je suis sûr que si on demande, tu sais, la Ligue nationale qui veut créer des rivalités, OK? Ouais. Si on demande on, par message de texte rapidement, OK? Rapidement, parce que l'armée répond toujours très vite. Euh. <rire> <rire> Demain... <rire> OK, on va regarder. Non, on mais, va regarder cette semaine. On va regarder cette semaine. Pour vrai, là, on, on ouvre une parenthèse, mais on la referme automatiquement. En première ronde, Boston-Toronto, mettons Edmonton-Vegas. Puis disons que tu commences avec les Stars contre l'Avalanche ou les Jets contre l'Avalanche. Tu veux pas perdre trois équipes comme ça en première ronde? Fait qu'on fera plus, plus tard cette semaine. Tu sais, mettons là pour le fun, OK? Avant d'aller en pause, conférence, si on met 1-8, OK? Les Canucks commenceraient contre les Golden Knights. 1-8? Les Canucks contre les Golden Knights? Ouais. 2-7, t'aurais les Stars et les Kings, t'aurais les Jets et les Preds et t'aurais l'Avalanche contre les Oilers en première ronde. Et Canox ça aurait été une chance. Ah bah là, genre là, c'est première ronde. Finalement, c'est pas si affaires de les affaires d'être vision. Non non mais, tu, tu changes ton problème de place, t'sais. En gros là, c'est, tu sais, Panthers, Islanders, Bruins, Flyers, Rangers, Tampa Bay, puis Hurricanes Leafs. Hein? <laughs> bon, là, tu sera à la pause parce qu'il pépère. a pas peur. Non non, je ne pas plus. que je m'amusais, je lançais avec FX. On s'en va à la pause, Pépère, pour prendre une pause pour Pépère Non, Pépère prend pas de pause aujourd'hui Parce que le, oh, le jeune Pépère est en vacances Alors que le vieux Pépère, il est à son poste Oh, il reste là tout le long <laughs> Oh yeah! Bon, enfin, <laughs> yeah 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 Yeah, <rire> yeah! <rire> <rire> That's right <laughs> on, <fait, rire> on fait une pause de retour, <laughs> ça, même, on retourne <laughs> 5 retour <laughs> retour <laughs> retour <laughs> à 4 sur le 9 On termine avec vous le restant de l'émission à tout de suite You like that? Yeah Bon, en cette euh, journée de congé, ah, que les jeunes sont chanceux aujourd'hui, journée pédagogique qu'on a chaque semaine. hein? C'est important. De... C'est à l'école aujourd'hui. Se... Hein? C'est important un congé à, pour se remettre d'une semaine de congé. C'est important. Tu veux, pas, tu veux pas les brusquer, là, les gars, quand même. Là, après une semaine de relâche. C'est pas facile, ça. Hey, C'est pas évident, le euh, changement d'heure en une fin semaine en plus. là. Je veux dire, les enfants, il faut leur faire attention aujourd'hui. Tu veux pas de congé? Non. D'autres on travaille. Dit. Hein, on, a deux, on a deux congés fériés d'ici la fin de l'année. C'est vrai. Dur, là. On a le lundi de Pâques et on a les Patriotes. On a ça la semaine passée, je veux dire, congés fériés. Wow. C'est incroyable. On n'avait jamais, jamais ça. Non. On a ça cette année. C'est quand? C'est quoi les dates? Euh, le, le, le 1er avril, ça c'est le lundi de Pâques. Le 1er avril. Le poisson Lundi, le 1er avril. Ben, je ne peux pas faire de joke, 1er avril, OK? Non. 1er avril, non. Et non. le 20, 20 mai? Ouais, le... autour du 20, 20, 20, 20, 20 vente le 20 pieds. Je pense puis... que c'est le lundi 20 mai, ouais. Mets ça dans ton Les agenda Patriotes, papier. Là. Là, ouais. changé <laughs> me faire me faire rire sur Tu sais qu'on a le vie. même agenda papier. Pas <laughs> hein. vrai? Exactement le même. Lundi le 20 mai, Patriote, c'est ouais. ça? Ouais. ouais T'es off cette journée-là. Fait okay. que tu vas à Edmonton, tu peux rester jusqu'au lundi. ouais, ouais c'est pour ça, c'est pour ça C'est lundi je... le 20 mai. C'est ça, ça que je vais faire. Tu vois? C'est autrement ça que je fais big. OK, Kirk Cousins. Kirk Cousins. Kurve you like that! 4 ans! Atlanta! J'espère que c'est son dernier contrat. Ouch! Steve, n'est-ce Est-ce que tu es content? Ouais. -ce es les... content? Steve, c'est le seul. Dallaire, mon chum Dallaire aussi est fan des faucons. On a, on a besoin des fans des faucons. Appelez-nous, on veut savoir si vous êtes content ou pas. Ouais. J'espère qu'il ne fera pas faux bon cette année. Euh, avec quoi continue, <laughs> Ben? <laughs> Nico Mixo! Salut, Nico. Nico Mixo! Bien, froide, cold, beer, comment ça va, les boys. Tu as congé de construction ou là, tu as recommencé avec la même compagnie? Non, je, euh, là, je suis chômage pour l'instant. On attend que la saison recommence. Comment ça va la grève? Ah euh, ben y a pas de grève encore, ça branche un peu la négociation, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est pas réglé encore, puis ça va se régler possiblement à la dernière minute, parce que là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent pas nous imposer une loi spéciale comme ils ont fait dans le passé. Il faut qu'ils négocient de bonne foi, ça passer en cours suprême. Fait qu'on a un peu plus de négociation qui s'en vient en notre faveur. Tu m'as donné okay. soif, Nico. C'est lundi, ah oui. mais t'as crié cold beer, puis j'en prendrais une aujourd'hui. Ouais, mais ça ferait un peu Tu sorte qu'un bon shooter serait chauffé, ce serait mieux, hein, non? Ben, je sais pas, moi, tout ce qui se passe avec les Bengals, là, je t'en prendrais deux, même, je te dis. Ah, dire. ouais, c'est... Un hein, shooter ça. de grappa, Gonzo. Moi, ben, je suis pas ouais. un grand fan de grappa. J'ai bu de la grappa au miel. Tu connais ça? Oui, oh, de la grappa au miel. Je suis italien, bon. Georges. Ben, tu sais, Genre, genre je pourrais faire des bons mocktails, hein, des bons cocktails sans alcool. J'en fais dans mes contrats des fois. Hein. Je serais surpris comment que ce serait bon. Ouais, la demande du mocktail est à la hausse. Oui, avec du jus pour un spécial, Georgie. Oh! oh. Hein? Et puis tu vends hein? ça, ça s'appelle un spécial, Georgie? Ouais, je pourrais 91 <laughs> inventer un. Je pourrais m'en un, effectivement, cet Puis vous venir à la prochaine rencontre avec une recette spéciale, peut-être, je pourrais penser à ça. J'aime ça. J'aime ça. Bon, tu, bon. Tu, tu viendras derrière <laughs> le bar au social le faire, tiens. Ouais, bien, c'est ça, ça. Ça sera à négocier parce que je. Mes tarifs sont élevés, là. Oh, par 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 pardon, terme. pardon, Nico. On La fera... qualité, ça, ça se paye, Ça se paye, ben oui. Tu <laughs> <Ouais, non. rire> vas savoir ce que je veux dire. Le meilleur pugiliste au monde. Il a gagné bien de l'argent comme ça. Bon, bref, je veux revenir à ce que vous avez discuté au niveau de euh, David Savard. Georges, je, je, je suis le plus grand admirateur de toi. Je beaucoup. Sauf qu'il y a des choses que tu oublies dans une chambre d'Hockey, puis je pense que tu devrais le savoir. Quand tu échanges un vétéran qui est là pour... Coacher, épauler, euh, aider les jeunes à progresser, il y a une raison pour ça. C'est qu'eux autres, là, ils ont peut-être pas eu leur premier choix, moi, ce que je pense. Ils ont pas eu ce qu'ils voulaient. ils se sont dit, tant qu'à l'échanger pour, pour euh, pas grand-chose ou euh, pas ce qu'ils voulaient, on va le garder. On va aider les jeunes à progresser. Parce que, oui, si tu l'enlèves, qu'il soit peut-être dégringonner un peu, euh, dans le classement, ton un meilleur choix. Oui, c'est correct, ça. Je comprends ton point. Sauf que, si tu fais ça, puis qu'après ça, tu t'as pas d'encadrement, là, tu parles de Matheson. Matheson, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas le même genre de défenseur que, que Savard. C'est un défenseur offensif qui a beaucoup d'attitudes offensives, un peu moins défensivement. Là, ce que tu veux faire, c'est que tu veux baser ta défensive avec les jeunes, leur apprendre à bien jouer au niveau de la défense. Par la suite, là, quand ils vont être plus prêts, là, tu les changes l'année prochaine. Si tu fais ça cette année, tu perds un gros morceau. Et puis, je suis certain que c'est important pour les jeunes de progresser et si tu ne progresses pas au rythme que la direction le veut, que tu les changes tout de suite, ben peut-être que ça va retarder leur progression. Pour dans les prochaines années, quand on sera prêt pour euh, challenger pour une course Stanley. Je ne sais pas ce que tu en penses, George. Non, je comprends ce que tu veux dire par rapport à. Je comprends ton point. Puis mm -hmm. oui, c'est pas mauvais qu'il reste là pour le développement. Puis tu as raison, c'est un très bon point, Nico. Très bon point. Hey, ben, Nico, euh, moi, les pour la bière. On se reprend très bientôt, OK? Ben oui, les boys, les Merci boys amis. On va te alors je sais pas de ça. Merci. Okay. C'est quoi, nos Eagles? Ouais! ouais! <laughs> <laughs> ben. ben? C'est tu fait? Ouais. Saquon euh, ça... Le... Barkley avec les Eagles. content? Oui. Ben oui. C est, c est, je trouve ça spécial qu'il parle. Non, non, t'as des réticences. Tu m'as convaincu comme à... Tu m'as convaincu, mais il a ralenti. Je trouve qu'il a ralenti un peu, mais ah non, il, est il est encore bon. Il était blessé. Il est oh, sauté. Swift Swift et Saquon, je prends. Oui, oh, c'est un, une amélioration. Et euh, selon plusieurs. Bon, Swift, euh, Swift, <rire> Swift. <rire> Swift, ils ont fait. Swift, ils ont fait. Dans un gros lundi. Gros genre. lundi. Sam Darnold s'en irait avec les Vikings. Pas, pas comme promis. Ben t'imagines-tu? Sam Darnold. Sam Darnold qui prendrait la place à Il est à Kirk encore Collins. dans la ligue, il est encore dans la ligue. Il est encore dans la ligue. Non, il reste, une, une, con... il ben reste non, une année de ben contrat. à, à Justin il Jefferson. Va, il tu vas va vers quoi Ben non, mais il voudra pas rester. Ben non, il s'en va, c'est sûr. Ben c'est il... Sam Darnold la solution de rechange. Ben, ben non, non. Mais non, ça pas la deux ça. Fini. Il va être comme deuxième là, c'est une police d'assurance. C'est fini. C'est Là, c'est qui le premier au Minnesota Ben c'est personne. Ils vont tu garder le Pass qui était là l'année passée. Ah ouais. Hein? Ouais, ouais. Ça bouge. On a le temps pour euh, ouais, un petit order. dernier. Joe? Salut Joe. Joe, salut Joe. Salut, oui, oui. Comment ça va? Joe du Lightning. Toi. Très bien, très bien. Non, tu étais content des deux acquisitions du Lightning? Duclar, ben, je suis ben, du content pour lui. Il va, il va vous aider. puis il, il a marqué en plus. Oui, il a marqué. Non, mais il va, il va vous aider énormément. Ben, Dumba, il n'a rien coûté. Là. Les, les coyotes, ils ne veulent jamais payer du salaire. Fait ils se remettent à gagner 5 Vous 6, avez hein? deux excellentes acquisitions, vous avez faites. Ben, Ce n'est pas l'équipe qui a gagné euh, les échanges. Là. On, on s'entend. Au hein. moins, c'est Vegas. Vous autres, là, si Vasilevski peut juste se lever en série, là, parce que depuis qu'il est revenu cette saison, c'est pas le même, vous avez une chance. Là, si tout repose sur lui. Ben, tu... À chaque fois que j'appelle, tu me souhaites toujours que mon Lightning soit éliminé. Ben oui, mais Big, c'est sûr, je, vous, je te souhaite, j'ai toujours te souhaité ça. Parce que vous avez déjà gagné, ça serait le fun de laisser la place à une nouvelle, nouvelle équipe comme les Oilers, Big. Ben là, tu dirais ça à Vegas s'ils si gagnent la Coupe cette année encore. Hein. Une équipe canadienne, Big, c'est ça qu'on veut, c'est pas ça que tu veux? Ah, ouais, ben oui, ben c'est sûr que, quoi, c'est sûr que si le Lightning, il se fait éliminer, je vais me ranger derrière les Oilers. Bon, bon, le bandwagon des Oilers. tu t'as pas dit, as dit, tu te rangerais. T'as dit, tu dirais aujourd'hui? Je suis avec les. Euh... Stars de Dallas. Ah, big! Qu'est-ce que tu fais? Arrête de niaiser Non, j'aime beaucoup. Stars de Dallas! J'aime beaucoup cette équipe. Ils <laughs> sortent <stars rire> du studio. Ah, <laughs> non. <laughs> hey, non, 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 <laughs> quoi? Non <rire> hey, <rire> Joe, Joe, <rire> <rire> Joe, continue. Oui, Joe, je t'écoute. En terminant, tu es un fan des Eagles avec toi. Hein? T'es-tu un fan des Eagles? <laughs> Joe essaie de continuer à me jaser en disant qu'il est un fan du The Eagles. Yes, ouais. Toi, es tu es content yes. ben, Kim, oui, content, quoi euh, Barkley? Ben, Krim, oui, je suis content. Salut, mon chum, oh. Derek. On t'avait rencontré à, à Laval. Ah, oui! Oh. Dans un genre ben, de bar. Oui, oui, ouais, ouais, dans un ben, oui, salon, de, salon de Paris. Oui, c'est ça. Donc, euh, on te salue. On, on avait bien aimé ça. Ouais, oui, oui. J'étais avec toi. C'était ben, oui. la soirée du Super Bowl avant que tu ailles ben, au oui. Mais ouais, je yeah. m'en allais au New City Gas. Hey, get a room, les gars. Là. Get a room. <crisant> <laughs> bon. Ben va ben, donner ben, Come on. Oh, ah ben ouais, on a c'est quoi? Ben sais ben, ben, je, je... Je ben Je un ben, coup... Joe, bonne chance pour Lightning et hey, tes Oilers. Oh, bonne journée. T'es tas t'es super. Il y a combien de monde qui disent Yark? Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont qui sont dégoûtés de mon choix. Mais qu'est-ce que tu fais? Stars de Dallas! Big! big. Ouais, j'aime beaucoup cette équipe-là. Équipe, -là. équipe euh... canadienne! Ben attends, je te tu... la série! Si tu me dis qu'il faut, qu faut que, que je prenne une équipe canadienne. Non, j'ai pas là, dit que je te dit... Écoute, écoute ça! Écoute, écoute, écoute! Oh non, non, les Stars! Tu viens en plus! Qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être le voyage à Edmonton qui va me faire changer d'avis. Pourquoi, oh, Big? Ça veut dire que tu vas à Edmonton du reculon? Tout le monde à la station, tout le monde à la station veut venir puis là vient d'essayer. Oui. Tout le monde vient, tout tu viens, tant, 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 tant. Puis là ça se peut qu'on joue <laughs> contre les Stars. <laughs> C'est pas, pas parce que je fais un voyage que je deviens fan de cette équipe-là. Je veux dire, on non, est mais allé, dans ton... plein oh, mais oh, mais ensemble. On va tout, notre corps va tout être à la saveur des Oilers qu'on va aller ben là-bas. Oui. Ok, je peux te dire quelque chose. Les Oilers commenceront pas contre les Stars, donc on va être correct. Je vais prendre les Oilers quand je vais être là-bas, là. Si ils commencent contre les Stars? ils ben, peuvent fais? pas commencer non, contre les Stars. À moi qu'ils finissent. Euh... Non, mais admettons que c'est commencent contre les Stars, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'aurais pas le choix de passer mon tour, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux dire? <laughs> Il viendront pas à Edmonton. ne pas à Edmonton, cheerib les, les Stars, là, contre les Oilers, là. Ben, je peux pas croire qu'est-ce que tu es en train de dire en <laughs> ce moment. <laughs> je peux pas croire. Je sais qu'on est ai, peut J'aime beaucoup les Oilers, par exemple, tu le sais. Tu le sais. Que si, tu si ça m'a demandé une équipe canadienne, c'est sûr que je me range derrière les Canucks. Ben, mais les Oilers sont pas loin. <laughs> C'est okay. pas deuxième! Non, ben non, les Canucks! Les ah, Canadiens! Les Stars! Les Canucks! Les, Canucks, les, les Oilers sont troisième! Un méchant à lutte, Mais, Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? <laughs> qu'est-ce que je <laughs> qu t'ai -ce fait? C'est une journée pédagogique! Je qu'on tête! <laughs> <tale> Ciao, Bien. Salut tout le monde, je suis en tabarnant. On vous aime quand même, ok? Bonne soirée à tous! Demain, on rebelote, on recommence ça à compter de midi, on sera là! Bye bye! Les Oilers! Là. OK, stand-by. On part le retour des sportifs dans moins de 4 minutes avec Martin Lemay pis sa Il Et à 15h02, on rentre dans le vestiaire du coach Bob Hartley.